Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Libre Japon, quatrième et dernier épisode de cet arc. Je suis ravi d'être avec vous dans des conditions qui font plaisir. Il est minuit aujourd'hui au Japon. Euh, vous avez vu que l'heure a pu changer ici et là, mais en même temps, on s'adaptait aux disponibilités du studio, des invités. L'occasion de rappeler également que nos amis de Ici Japon nous prêtent ces locaux gracieusement pour pouvoir les faire. Et un grand merci à eux, grand merci à vous également de votre suivi sur l'Arc Japon, que ce soit les vlogs, les lives, les shorts, les TikTok et compagnie. Il y a Hugo qui est et me, Monsieur Stade dans l'équipe qui a voulu flexer. On est sur plus de 4 millions de vues cumulées hein, sur, depuis le début de l'Arc, donc autant vous dire que vous êtes très nombreux à suivre ça. Donc je vous remercie pour la mobilisation et. Pour la, on va dire, la fidélité, la confiance, les retours et au global les messages. Je vous vois là dans le chat, vous faites plaisir. L'occasion de rappeler également que vous avez des nouvelles émotes si vous êtes sub. Ça fait plaisir, on a pensé à vous des trucs en lien avec le Japon. Il restera quelques jours après cette émission avec encore, je crois, un ou deux vlogs et. Après, ce sera le retour en France, dans le quotidien, la grisaille, la tristesse. Mais je suis avec une personne qui ne représente rien de ce que je viens de raconter. Grisaille, tristesse, elle ne connaît pas. Elle était en Corée du Sud juste avant, elle est au Japon aujourd'hui. C'est Andy Andy, comment vas-tu Ça va et toi Bonsoir La forme Trop contente, oui, ça va. Est-ce que je t'ai bien introduit Franchement, oui, bah ça fait plaisir. <laughs> Là, tu viens de Corée du Sud, en plus, si je dis pas de bêtises, c'était le beau temps, c'était comment Le beau temps, tous les jours, ciel bleu. Très sympa. Est-ce que tu viens d'arriver là Ça fait combien de temps t'es ici Là, ça fait euh, une semaine à peu près que je suis au Japon. Euh, ça passe très vite toujours ici. Il euh, y a tellement de choses à faire, tellement de, tellement de travail, tellement de trucs. Euh... Ça, à combien de fois tu viens Oula euh... Bonne question Cinqui... Cinquième Cinquième fois que tu viens au Japon Sixième peut-être Ah oui, oui. oui. Moi je commence à me prendre pour un tonton avec ma deuxième fois mais je... la deuxième fois Et ouais. ouais, devant moi j'ai une Ah oui Ah ouais bah, après ça a été beaucoup pour le travail je pense qu'on va en parler mais euh... ouais je commence un peu à faire ma petite vie T'as fait quoi comme ville un petit peu T'as fait essentiellement Tokyo ou d'autres euh, Tokyo, Osaka, Kyoto, euh, un petit peu la campagne et là je vais tester Okinawa. Ça, je suis très très contente. Okinawa, pour ceux qui nous écoutent, c'est les îles dans le sud. Donc, c'est encore plus au sud de ce qu'on a fait nous à Kyushu. C'est vraiment là où, si vous avez déjà vu des images du Japon, où ça ressemble à Hawaï, c'est littéralement. Exactement, exactement. Et euh, tout le monde m'a dit que c'était la bonne période pour aller, Donc, je vais essayer d'y aller quelques jours à la fin du séjour. Oh là là, tu as partagé ça, j'espère. Oui, <laughs> j'espère ah. aussi. Non, il faut que j'ai un peu d'énergie. Il y a <laughs> quelqu'un dans le live et dans le chat qui me dit qu Il faudra faire le débat le débat, pardon, Japon-Corée avec Andy. C'est euh, tu vois on a parlé du combat du bœuf de Kobe juste avant <laughs> avec Joël parce qu'on dit suit les vlogs donc on la remercie elle est au courant et au fait de nos délires est-ce que tu es au courant de mon combat à moi non c'est quoi ton combat Corée Japon tout le monde a te demander pour moi ouais. Tokyo est un Séoul il y a même pas un match c'est PSG Châteauroux genre ok c'est violent mais je suis d'accord désolé c'est dit, désolé. Mais j'adore Séoul, vraiment j'adore Séoul. J'y vais une fois par an, toujours à la même période, pendant un mois, juste avant le Japon. Et j'avoue que j'adore venir, mais c'est vrai que le Japon, c'est... Il y a tout quoi. Il y a tout. Vous voyez, Popsan. Pape. Désolé, Papson. On va t'attraper. On va t'attraper. Tu vois que <laughs> la propagande continue. La propagande continue. Non, plus sérieusement, les amis, ça fait très plaisir. Et je vois que dans le chat, vous êtes assez actifs. Ça régale. Donc, je suis avec Andy. Il y en a certains qui la connaissent, certains qui ne la connaissent pas. Donc, vous allez la découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est le but de l'émission. C'est une personne qui, en plus d'être assez jeune, a fait plein de choses hyper intéressantes. Et c'était très, très cool pour moi d'avoir un tel profil. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. Est-ce que tu peux me répondre en me disant qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît oui la fameuse question euh, je m'appelle Andiella, je suis youtubeuse et maintenant je peux dire que j'ai une marque de matcha euh, mon parcours scolaire franchement il n'est pas passionnant je, et parfois je regarde tes interviews et je suis en mode waouh qu'est-ce que je vais raconter non non <laughs> non il y a toujours un truc non non franchement il n'est pas passionnant j'ai jamais été scolaire ok euh, mais un point où je pense que j'en ai jamais parlé mais je n'allais pas en cours, c'est pas bien. Mais je n'allais pas en cours. T'as décroché peu à peu. partir de quelle période à peu près? Quatrième mmh, au collège. Ok. J'allais très peu en cours. J'y allais, j'ai eu mon bac, machin, mais j'allais très peu en cours. Euh, ça n'a jamais été pour moi. Franchement, je regrette. En vrai, de vrai, je regrette. Je pense que c'est pas bien tu okay. as eu ton bac quand même, tu me disais. J'ai eu mon bac, euh, j'ai eu mon bac, mais euh, c'est vrai que ouais, c'était pas trop pour moi. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai toujours su que je voulais être maquilleuse. D'accord. Quand j'étais jeune, c'était mon truc. Je voulais être maquilleuse. Je faisais déjà, j'avais 12 ans, j'allais maquiller des gens. Euh, j'étais sûre de moi. Okay. Et vraiment, enfin, euh, je, je trouvais que j'avais de la chance parce que j'avais des copines, elles étaient complètement perdues, elles savaient pas ce qu'elles allaient faire au lycée après. Et moi, je le savais. Je me disais, il euh, n'y a pas d'option, je suis maquilleuse et il n'y a rien d'autre. Du coup, tu as pris une filière en lien avec ça ou pas du tout C'est ça. En fait. Euh, en troisième, du coup, il fallait que je voie pour, euh, pour euh, mon futur lycée. Le classique. Le classique. Et moi, je me, je, je me rappelle, je disais à ma mère, je disais jamais de la vie, je veux même pas aller au lycée, c'est pas possible. Et du coup, j'ai dû faire un bac pro esthétique. On m'a dit, il faut que, faut que tu fasses ça parce que bon, c'est ce qui se rapproche le plus. Tu peux pas faire d'école de make-up parce que t'as pas 18 ans. Ouais. Euh, donc, je l'ai fait. J'avais vraiment pas envie, honnêtement. Euh, mais au final, j'ai appris des choses et ça m'a permis d'avoir mon bac, etc. Donc. Euh... Donc voilà, j'étais contente et puis après j'ai pu faire mon école de make-up. Euh... Tu sais que je viens d'une génération où chez nous il y avait encore beaucoup de clichés à l'époque sur les bac pro, sur est-ce que c'est sérieux, pas sérieux, mmh. est-ce que les classes sont bien, est-ce que les filières sont bien. Toi qui as vécu l'expérience de ça, c'était comment bah, C'est vrai que moi, il y avait aussi cette image là. Hein. Tout le monde allait au lycée et moi j'allais en bac pro esthétique. Euh, donc on me critiquait. Je me rappelle qu'il y a des copines qui disaient mais qu'est-ce que tu vas faire alors qu'elles ne savaient même pas ce qu'elles faisaient. Donc au final, ça, ça dépend de, de, de ce que tu prévois de faire dans la vie. mais moi, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, j'ai pas eu de. moi ouais, je sais pas. A... C'est vrai qu'il y a des a priori, mais. T'as eu des stages, t'as eu... eu tout ce stages. qui est contact entreprise assez tôt, non C'est ça. En fait, ça m'a permis de bosser vachement tôt. Mmh. Et ouais, c'est vrai de me faire des contacts parce qu'au final, il euh, bah, y a plein de jobs que j'ai eu par la suite euh, grâce à ça. Mmh. Donc, euh, ça te met direct dans l'expérience professionnelle. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite parce que tout s'est enchaîné un petit peu vite. Donc j'avais déjà ce truc de bah, savoir me présenter, savoir travailler, connaître un peu euh, le monde du travail quoi. OK. Et, et, et au niveau des stages, est-ce que tu as eu des choses genre tu as eu un truc plus marquant qu'un autre ou alors est-ce que ça s'est passé comment On m'a mis bah du coup en, en esthétique, tu es censé faire tout. Moi à chaque fois, j'essayais de gruger un peu. Je disais alors je vais faire mon stage sur un plateau télé, je vais maquiller, on me disait non non non, tu vas aller dans un institut et tu vas épiler des jambes. Dur, dur. Euh, ça j'avoue, j'ai pas kiffé. Parce okay. que tu vois des choses euh, spéciales de temps en temps. C'est pas ouf. Je suppose de l'hygiène, pas toujours. Ouais, euh, euh... Voilà. C'est pas, pas ouf. Après, encore une fois, bah, t'apprends. Tu fais des trucs euh, pas fous. Mais je trouve que c'est comme ça que tu t'endurcis un peu, quoi. En faisant des, des jobs moins, moins sympas. Tu nous avais parlé de ta passion là, pour tout ce qui était make-up. Mais est-ce que t'en avais d'autres Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te faisaient kiffer YouTube. Oh <laughs> YouTube. J'ai commencé très jeune les vidéos. C'était lié bah, à cette passion-là, justement. Euh, je faisais des vidéos de make- up j'ai commencé comme ça j'ai fait fini... ma première vidéo c'était en 2013 ok j'avais 12 ans ok et j'ai fait une vidéo 10 conseils beauté ouais, ça a commencé comme ça fait des choses euh, pas ouf <laughs> vraiment je recommande pas la vidéo euh, et, euh, et j'ai toujours continué les vidéos youtube jusqu'à jusqu'à maintenant est ce que la vidéo existe encore elle existe encore elle dispose sur ma chaîne tu sais qu'il y en a tous normalement quelques vidéos qu'on enlève gentiment parce oh, que. Oh, il y en a, t'inquiète. <laughs> <laughs> t'inquiète pas, il y en a qui sont plus disponibles. Des trucs vraiment trop honteux. Celle-ci, franchement, ça a commencé comme ça, donc je la laisse. Et en fait, mais attends, mais en fait, oui, il y a quand même un truc qui me m'a 12 ans, 2013, 10 conseils beauté, t'es avant-gardiste, <laughs> de ans Parce que quand on sait, genre, euh, comment YouTube s'est développé derrière, et même le YouTube lié, après, derrière, tout ce qui est mode, make-up, etc. Avec les ouais. premières grosses créatrices de contenu à l'époque, t'étais inspiré ouais. par qui À l'époque, je me souviens, je suivais Sananas, Enjoy Phoenix, enfin toutes les youtubeuses beauté un peu qui avaient explosé à l'époque. Mais euh, ouais, j'adorais en fait regarder des vidéos YouTube, j'en regardais beaucoup, il y avait des américaines aussi. Mmh. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais d'ailleurs en regardant des vidéos YouTube. D'accord. Euh... Moi c'était en lisant Reddit. C'est vrai Ouais. En <laughs> lisant fou, beaucoup hein. de subreddits anglophones, ça m'a donné une bonne partie de mon vocabulaire. C'est dingue, hein, parce que moi je me rappelle que ma, ma mère me croyait pas. Je, quand je regardais des vidéos, parce qu'elle me disait arrête là, c'est un peu trop. Je disais mais ça me fait apprendre mon anglais au final, je parle super bien anglais grâce à ça et j'ai pu parler très jeune. Et d'ailleurs c'est le seul cours où j'allais. <laughs> En cours d'anglais parce que j'avais des bonnes notes. <laughs> On a tous ce petit cours qui fait. Moi, c'était histoire géo. C'est vrai. Oui. Bien. J'avais un petit prof qui était très passionnant et quand t'as un prof qui est passionnant et qui a réussi à te rendre le cours vivant, ouais. genre moi c'était tellement un point où mon prof d'histoire géo il était tellement passionné que quand il y avait d'autres qui parlaient genre des élèves, c'était les autres élèves qui leur disaient de se taire. Ouais. Ok. Trop bien. Quand t'arrives à ce niveau-là. C'est incroyable. Ah non mais c'est incroyable. Il y a toujours il y a des profs qui te même si t'as pas ce truc avec la matière tu, tu rentres dans le dans le, dans le truc, quoi. C'est ouf. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais On discutait un petit peu de passion, on discutait un peu de YouTube, des ouais. vidéos à 12 ans. Ouais, donc du coup, j'étais vachement euh, inspirée par, euh, par ces YouTubeuses-là et les YouTubeuses américaines. Et euh, en fait, je faisais ce truc quand je me préparais ou je sais pas j'étais dans ma chambre et je parlais comme si je faisais une vidéo YouTube. Je okay. sais pas si, franchement, c'est un peu honteux de raconter ça, mais bon, c'est pas grave. Mais je faisais ça un peu dans ma chambre. Je disais, bon, alors, je vous explique qu'aujourd'hui euh, je vais m'habiller comme ça, je vais faire ci. Et un jour, je me suis dit bon, je vais faire une vidéo YouTube. J'ai demandé euh, à ma mère une caméra pour Noël. D'ailleurs, que j'ai pas eu. J'ai attendu genre deux ans avant de l'avoir. Okay. Elle comprenait pas pourquoi je voulais une caméra. C'était un tout petit truc vraiment pourri. Caméscope un peu. Caméscope pourri. Et genre celui-ci, il y avait un truc. C'était tu pouvais zoomer, zoomer x10. Enfin, tu vois genre l'époque. À l'époque. Et euh... et au final, j'avais filmé ma première vidéo avec ça. J'avais rien dit à personne. J'avais publié. Et une fois que c'était publié, je l'ai dit à ma mère. J'ai dit bon. Tu as mis devant le fait accompli. C'est fait, trop tard. Et ça a commencé comme ça. Mais je parie qu'il y avait zéro montage ou alors il y avait quand même un tout petit Il y avait peu... du montage, tu rigoles. Ah bon. Mais une vraie passionnée de YouTube, montage, miniature, tout. Et encore la miniature, je pouvais pas la mettre dès le début. Tu sais, il fallait attendre un certain nombre oui. d'abonnés. Et dès que j'ai pu, j'ai changé toutes mes miniatures. Je crois même qu'en 2013, les premières vidéos que tu pouvais mettre. Elles pouvaient pas faire plus de 15 minutes. Ah, je me souviens pas de ça. Tu vois, je... peut-être je dis des bêtises, mais en tout cas, possible. dans un premier temps, tu pouvais pas mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Il Fallait activer une sorte d'option. C'est possible, ouais. Et ça a tellement changé YouTube depuis. Et il y avait eu des retours rapidement Est-ce que tu avais réussi à quand même toucher un petit public euh, En une vidéo ou pas Grave Ça m'avait choqué Bon, au début, c'était mes copines. Hein, euh, voilà. Classique. Euh, mais euh, j'étais choquée parce que j'avais eu. Ça avait pris de l'ampleur rapidement. Enfin, à l'époque, j'avais plusieurs milliers de vues en un jour. Ma première vidéo. Et je me disais pourquoi Comment ça se fait Et euh, ouais, c'est vrai que ça m'avait un peu surpris. Quand j'avais regardé ta chaîne, il y a trois ans entre la première et la deuxième vidéo. Est-ce que c'est parce qu'il y en a certaines qui, du coup, ont été supprimées, comme on disait Ou alors, est-ce qu'il y a eu une petite période d'adolescence où on t'a empêché d'en faire Un mix des deux. Il n'y a pas de tout sur YouTube, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, en fait, je m'étais fixée de faire une vidéo par semaine dès le début. Okay. Je me dit, voilà, je fais une vidéo tous les dimanches, ça va être mon petit rythme. Euh, et au final, bah, après, il y a l'école, il y a tout ce qui va avec, donc je pouvais pas forcément suivre ce rythme. Et euh, ça s'est aussi un petit peu calmé quand bah, j'étais plus dans le make-up. C'est vrai que j'avais un petit peu moins de temps. Okay. Parce que bah, je bossais, j'avais des stages, etc. Mais j'essayais quand même de toujours un petit peu poster des vidéos. Et au final, c'était quand même lié, parce que c'était des vidéos de make-up. Donc, euh, c'était un peu un mix des deux, on va dire. Est-ce que genre, le fait de faire des vidéos liées au make-up te faisait faire des recherches qui t'aidaient après derrière, en, de manière pratique, quand on ouais, ouais. faisait professionnellement bah, À l'époque, il y avait ce truc où tu apprenais vraiment à te maquiller sur YouTube. Euh, je sais que ça doit être un domaine que tu connais pas trop, mais. Vraiment, toutes les meufs regardaient des vidéos YouTube pour, sa... pour apprendre à se maquiller. Je, je, je m'entendais très bien dès 2013-2014, parce qu'elle traînait avec des gens que je connaissais, avec euh, Marie, Enjoy Phoenix et ouais. d'autres euh, créatrices de contenu comme ça. Donc, indirectement, même si je ne vais pas dire que j'en ai consommé, je, je me connais. suis frotté à ce monde, donc du coup, j'ai regardé. Tu vois okay. Enfin, je connais. Okay. <laughs> Après, j'étais très longtemps un peu fermé d'esprit. Sans doute à tort. Okay. Et moi, j'étais le genre de mec, en 2016-2017, j'arrivais sur des plateaux, un petit coup de make-up, je disais, pourquoi Mais mm, okay. euh, pour ouais, pas que tu transpires comme un gros porc. Ouais, <rire> ouais, <rire> tout simplement. Tu vois, et pendant un <laughs> ou deux ans, non, t'inquiète, ça ira. Et puis au bout d'un moment, après <laughs> deux, trois plateaux, il faisait bien chaud, j'ai dit, oui, oui, on va ramener tout ce que tu veux. C'était à cause de toi que les maquillages se faisaient engueuler, Parce que je sais que... Quand tu maquillais pas quelqu'un, et on regardait après sur le retour en plateau, il me disait Pourquoi il brille lui Je sais Mais il veut pas maquiller. Je dis dit « m'en fout, mets-lui de la poudre Mais à coup de pain. On a tous fait des erreurs. Bien voilà. S'il y a des maquilleuses que je mis dans la sauce à cause de ça, euh, désolé. Maintenant, on, on laisse les professionnels faire. Ouais, donc, euh, donc oui. Euh... On parlait de l'époque, des créatrices. Après, de 13, ouais, as vu, que... juste avant, je lui ai dit. Tu vas voir, j'ai un problème d'attention, je risque de me perdre. Ben voilà. Elle m'a prévenu, t'inquiète, je ah suis voilà. là, je <laughs> tiens le fil, le conduit, il n'y a pas de souci donc, en euh, Donc, oui, j'étais euh, euh, inspirée par, euh, par tout ça et j'ai fait ma petite pause un peu. Euh, j'étais un petit peu moins régulière, mmh. mais après, j'ai réussi à, à reprendre le rythme un petit peu plus tard euh, avec les vidéos de make-up. Et en fait, il y a eu une grande transition où je maquillais tellement que j'en avais marre de faire des vidéos de make-up où je me maquillais. Ok. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. J'adore YouTube, je j'arrête pas YouTube, mais il faut que j'arrive à trouver aussi d'autres choses à faire. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai commencé les vlogs. Ok, petite transition. Ça a pris une autre tournure. On va parler de ça, mais avant de parler de ça, je voulais juste continuer un peu sur tout ce qui était make-up, etc. Mmh. Pour savoir justement, passer 18 ans, une fois ce bac pro obtenu et du coup, euh, le côté peut-être un peu plus professionnel. Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme porte Est-ce que justement, t'as pu faire, je sais pas, des plateaux, des films, des séries, euh, des clips Je sais pas, t'as travaillé ouais. sur quoi euh, J'ai touché un petit peu à tout. J'étais vraiment dans la beauté, donc tu vois, je faisais pas tout ce qui était artistique. Euh, Je sais pas du body painting ou euh, des effets spéciaux. J'en faisais très peu. J'étais vraiment dans la beauté, donc ça pouvait être des tournages, euh, par exemple, bah, typiquement des clips, des okay. courts métrages, euh, quoi d'autre. Ouais, des plateaux télé aussi, des émissions. D'accord. Et aussi du privé, donc euh, des clients pour des mariages, pour des soirées, euh, etc. Ça se passe comment, euh, par exemple, tu étais en freelance. C'est comment la rémunération pour une meuf euh, ou une personne, pardon, qui travaille dans le maquillage C'est comment C'est ouais, j'étais en freelance. J'étais en freelance très tôt, euh, très jeune, parce que bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure, à bah, un moment, il faut. Et, euh, et après, euh, moi, j'avais des clients qui me contactaient sur Instagram. J'avais un compte Instagram exprès pour le make-up okay. où je mettais tout ce que je faisais. Et, euh, et voilà. Ok. Je et... me suis contactée pour ça intéressant. Tu sais que c'est un truc justement dont je suis pas totalement... Euh... Parce que tu vois par exemple, moi je connais quelques artistes justement qui font euh, du make-up et qui viennent sur certains tournages ouais. notamment quand par exemple je fais Popcorn ou alors quand j'ai certaines activations ouais. et je sais pas exactement comment ça se passe, genre est-ce que il y a des réseaux sur lesquels on réussit à t'activer Est-ce ouais. que c'est que du contact, du piston En vrai c'est que du contact. On m'a toujours dit dans ma vie et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est tu ne sais jamais qui tu es en face de toi. Ok. Et ça, je l'ai appris parce qu'en fait, il y a plein de personnes, euh, bah, je sais pas, des tournages que tu rencontres, bon, on discute, mais en fait, euh, cette personne va t'apporter une opportunité euh, incroyable. Et euh, j'ai eu vachement ça où on se rencontrait sur un tournage, ça s'est super, super bien passé, on m'a rappelé pour d'autres projets qui avaient rien à voir. Et au fur et à mesure, bah, tu fais ton petit chemin et tu te fais de plus en plus de contacts. J'ai été pistonnée une fois oh. pour une émission, oh. une fois, grâce à mon copain. Et franchement, c'était trop bien. Ça m'a apporté une bonne opportunité, mais sinon, c'était que des contacts, toujours que des contacts que tu te fais, bah, en essayant de bien travailler, de bien, bien t'entendre avec tout le monde, C'est quoi le plus gros projet sur lequel tu as pu bosser Le plus gros projet. Un petit nom qui fait plaisir comme ça. J'avais fait une émission. En vrai, c'est j'ai pas fait des trucs euh... genre hyper connus et tout. Hein. On ouais, veut dire le Seigneur des Anneaux. Non mais attends, mais là je peux plus rien dire après ça, t'es sérieux <laughs> Je dis plus rien, c'est bon, j'ai plus envie de répondre. Non, en vrai, en vrai, vrai j'avais fait une émission, j'étais super contente parce que c'était ma première émission comme ça. ouais J'avais fait tatou Cover. Je sais pas si tu connais. Non. Bah voilà. C'est diffusé où euh, C'est diffusé sur TF1, tf non okay. je sais plus. Non, ouais, je connais pas. mais après... Je sais plus. Mais à l'époque, j'étais trop contente de faire cette émission parce que ça changeait. J'en avais jamais fait des comme ça. Euh... Et voilà, j'étais contente maquillé. Merci, merci, merci. Non mais tu me réponds à la question et je vois que dans le chat ils connaissent donc ça régale, hein. bon, ça, ça régale, ça régale. Je vois que vous êtes ému devant mon claquet de chaussettes. Oh, J'avais même pas nous, vu. Nous sommes au Japon les amis. On est je obligé suis... d'être en chaussettes. On est en chaussettes, euh, Tev m'a donné la paire de claquettes qui va avec, euh, je me permets, je me permets de, de vous proposer à total, je me permets de vous proposer à total. C'est à partir de quel moment justement qu'on est passé de cette période professionnelle à... Je fais du YouTube full time. Qu'est-ce qui a donné ça Et c'est les vlogs qui ont fait péter ta chaîne Ça s'est passé comment Il y a eu quelques vidéos qui ont pas mal explosé, notamment euh, une vidéo sur l'acné que j'avais fait à l'époque. Ouais, c'est stop aux cicatrices et aux boutons, non C'est ça. Bah, il y en a plusieurs des comme ça. Mais il y en, a, ouais, il y en a, je crois que c'était celle-ci qui avait fait plus d'un million de vues, il me semble. Mmh. Et ça, ça m'avait rapporté pas mal d'abonnés. Mais en fait, je ne faisais plus vraiment de vidéos juste après parce que c'était le moment où c'était plus calme, justement. Euh, donc après, qu'est-ce qui, a... qu qui a fait bah, C'est quelques vidéos comme ça et un jour, je me suis dit, euh, en fait, il m arrivé un truc, j'ai eu un espèce de déclic, il m'arrivait okay. un truc pourri. Okay. Je me suis fait agresser dans, le... dans les transports. Bon, un truc chiant, on va pas... Voilà, mais un truc pourri okay. qui m'a traumatisé. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et en fait, je me suis dit... Pourquoi, pourquoi, je me, pourquoi je me fais chier là dans ma vie à faire des trucs machin Tu as envie de faire des vidéos, tu fais des vidéos, stop. Donc je me suis dit, à partir de maintenant, je fais deux vidéos par semaine. D'accord. Et j'ai pu jamais arrêter depuis. Et ça, c'était il y a 4 ans, trois ans. Ok. J'ai un peu le. Je suis perdue. Depuis le Covid, je ne sais plus compter les années. Covid 2020, ouais. 2021, là, on est en 2024. Est-ce que ouais, c'est dans ces environs-là à peu près par là, ouais. Ok. Et, euh, et depuis, je me suis jamais arrêté deux vidéos par semaine euh, toute l'année. C'est dingue que justement cet événement négatif t'ait cassé le quotidien pour essayer après de le transformer en positif et t'ouvrir des voies. Bah ouais. C'est comme ça que tu le ressens En vrai, ouais. Moi, ouais, ouais. Je pense que je suis une personne des déclics. Un jour, je me réveille et je me dis stop. On n'a qu'une seule vie. Il faut arrêter de... de toujours penser je vais faire ci, je vais faire ça. Nanana. Demain, je peux mourir. J'aurais pas fait ce que je veux. Et je, je pense beaucoup, peut-être un peu trop parfois, comme ça. Euh... Et ce déclic, ouais, je me suis dit, euh, ça y est, let's go. En parlant de ce déclic, vu on parlait aussi succès sur YouTube, comment est-ce que ça a été suivi du côté des proches, des parents, de la famille, vu que c'est intervenu assez tôt pour toi Franchement, il n'y a pas eu... En fait, j'étais tellement déterminée dans mon truc que, enfin tu vois, mes parents, ils, bah, ils me connaissent bien. Ils savent que quand j'ai un truc en tête, on peut pas trop m'arrêter, donc je pense qu'ils savaient qu'il valait mieux être de mon côté oui. que de pas de d'essayer de m'empêcher parce que ça allait pas marcher. Bah, il Valait mieux t'accompagner pour le faire voilà. que de t'empêcher mais que tu et le que fasses je passe quand même. n'importe quoi, euh, okay. voilà. Donc euh, c'était plutôt positif, franchement, et jusqu'à aujourd'hui, ils me laisse faire ma petite vie. Je ne calcule pas trop, enfin voilà, je le raconte un peu et voilà. Et après, mes proches, c'est vrai que j'ai perdu pas mal de pas mal d'amis entre temps euh, qui ont, je pense, pas trop compris ou. Nos vies se sont un peu éloignées, quoi. Nos, nos parcours de vie, on va dire. Genre, il y avait quelque chose qui était mal vu dans le fait d'être. Euh, genre, de faire des vidéos en fait, et d'avoir une notoriété Franchement, Encore aujourd'hui, franchement, je sais pas. Je sais pas. Il y a eu. Bah, J'avais ma meilleure copine que. Bon, maintenant, on se parle plus trop. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'est bizarre, mais. C'est quand même censé être tes amis et te soutiennent pas, quoi. Ok. Donc, tu te dis, pas, bah, tu sais, il regardait pas mes vidéos. Peut-être qu'il regardait, mais qu'il le disait pas trop. Donc, je sais pas trop si c'était. De la jalousie ou pas trop de la jalousie Je sais pas. J'ai jamais vraiment su, mais. Ouais, on s'est éloigné au fur et à mesure. Il y a des potes que j'ai gardés, bien sûr, mais c'est vrai que tu fais vachement le tri, je trouve, avec les réseaux. C'est vrai. Mais surtout après, avec le, tout le côté post-bac, chacun qui bouge un peu dans son ouais, coin enfin, et tout. tu vois, c'est ça aussi. Après, on est de plus en plus âgés, euh, chacun fait sa vie, quoi. C'est que moi, quand je vais sur Facebook et que je revois des têtes d'il y a 7-8 ans, ouais. ça donne un coup de nostalgie vraiment ouais. vénère. Mais je sais pas, toi, si ça t'est arrivé, tu vois, d'avoir ce truc ou où bah ouais t'as des gens que tu fréquentais avant c'était tes meilleurs potes ouais, tous les jours et maintenant c'est vous êtes tellement différents que je sais pas en vrai c'est vrai j'ai une bande de potes que je connais depuis plus de 10 ans maintenant ouais. et on, je les vois plus ou moins selon les périodes mais ils sont toujours là ouais. et je fréquente que c'est bien et il y a des personnes en plus qui viennent se greffer ici ouais, et là ouais, tu sûr. vois mais sinon euh, je je suis assez fixe sur ça okay. tu vois ce que je veux dire c'est bien et je peux te dire regarde pas une minute de ce que je fais <laughs> mais tu sais quoi ça en fait à l'époque c'était bizarre parce que c'était tellement nouveau, tout le monde regardait des vidéos YouTube et genre ta meilleure copine elle regarde tes vidéos c'est un peu chelou. Mais en fait maintenant je me rends compte que mes vrais amis c'est ceux qui sont à complètement de ce que je fais, ils s'en foutent et c'est trop bien. Ça c'est incroyable tu vois. C'est trop bien, c'est génial. Ça, ça permet de discuter tu vois, moi mes amis travaillent dans tout et tout, classique, mais en vrai ils ouais. se battent les couilles de, ouais. de ce que je fais tu ouais. vois. C'est trop bien. Et ça, ça, ça je trouve que c'est une balance qui est intéressante. Oui, je suis d'accord. Il euh, y avait un truc qui, qui, qui m'a un peu marqué, c'est que, et, et, et c'est avec les recherches qu'on a fait, etc. J'ai vu que tu as eu ton premier appart seul très tôt, 18 ans. Tu as fait des premières vidéos très tôt, 12 ans. Il y a toujours eu une envie un peu d'émancipation, toi, euh, de faire les choses comme ça assez jeune, rapidement Ouais ouais. au fur et à mesure, euh, j'avais envie, tu vois, de partir de, de chez ma mère. Je suis partie très jeune, j'avais 15 ans. Et la première fois, c'est pas 18, c'est 15. Ah ouais? Ouais. T'avais et... fait le truc d'émancipation? Non, 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 non. Non, mais tout allait bien et tout. Non, juste. Euh, J'ai dit bon? Salut, je fais ma vie. <laughs> j'ai un peu pété mon cap, tu vois. Ok. Et, euh... et je suis partie et ça s'est super bien passé. Franchement, en fait, je me rends compte que tu vois, sans, c'était pas volontaire. Je me suis pas dit je vais apprendre à... parce que je me suis retrouvée dans des galères. Donc mm. T'as pas envie de te retrouver dans ces situations-là. Mais en fait, je me rends compte que ça m'a tellement appris pour la suite. Et certes, j'ai commencé plein de choses tôt et encore ouais. maintenant, je fais les choses assez tôt, on va dire. Mais ça m'a trop appris et je regarde pas du tout. Mais c'est pas indiscret à 15 ans, t'es parti où t'es parti On a dans bah, un l Internet. <laughs> T'es pas allé loin d'un appart non, comme non, ça, non, non, non. Bah, Je squattais un peu par-ci par-là, et après euh, j'étais mon... avec mon ex copain euh, qui, lui, euh, pour ses études, devait venir à Paris, donc euh, il avait pris un appart. Donc euh, je squattais un peu son appart aussi. Je comprends. Et un truc justement, euh, à partir de là, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un... enfin un côté un peu angoissant de te lancer à fond sur YouTube, ou alors est-ce que est... le fait d'avoir avancé un petit peu plus tôt et d'être émancipé assez tôt, ça t'a donné une insouciance ou t'as foncé à 100%, genre je pense que j'ai foncé à 100%. J'ai pas trop réfléchi. Euh... Mais je savais pas en fait que ça allait me devenir un métier. Tu vois, quand je l'ai fait, je l'ai fait par passion. Je me suis dit, je fais mes deux vidéos par semaine, certes, mais par contre, je continue de travailler à côté. Pour moi, ça allait plus être ma passion à côté de mon travail. Tu vois, c'était deux choses différentes. Et en fait, au fur et à mesure, il y a eu ce truc où c'est devenu plus mon métier que mon vrai métier. <laughs> Et là, il y a eu les questions qui se sont posées de qu'est-ce qu'on fait. Mais au final, je ne me posais pas la question parce que je ne me suis pas dit, je me mets sur YouTube à plein temps, on verra où ça nous mène. Si j'arrive à gagner de l'argent, pas de l'argent, je ne me posais pas la question. Donc, je n'ai pas eu ce stress, tu vois ce que je veux dire J'ai plus eu le stress pour le make-up okay. de me dire, est-ce que je vais réussir à être assez bouquée, à ce que ce soit mon métier à temps plein, à plus avoir ce stress de, est-ce que je peux payer mon loyer, et machin. Donc, c'était plus, euh, ouais, deux stress différents, on va dire. Enfin, c'est deux, deux sujets. Dans une vidéo d'attente 2020... Tu parles de ton amour pour le voyage et de ta volonté de vivre dans un autre pays à l'avenir. Est-ce que tu as déjà beaucoup voyagé déjà étant jeune Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu fait que la France Que la France. J'avais fait l'Italie parce que mon père est dans le sud. Donc euh, en voiture, tu peux aller en Italie. Connexion classique et l'Espagne, parce que mon père est espagnol. Donc, une fois, on est allé en Espagne. C'était le truc de ma vie. Vraiment, euh, j'étais choquée. Je pense que ce voyage, ça a vachement participé. Même si c'est l'Espagne et que c'est pas hyper loin de la France, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus des paysans. Mais ça m'avait choquée de voir un autre pays, enfin, jeune comme ça. Moi, ça m'avait choquée, quoi. Il y a encore une différence de culture assez marquée. Hein. Ouais, quand même. L'Espagne, c'est pas vrai. non plus. T'es pas en Thaïlande, mais. Il voilà. y a mais un quand marquage. C'est différent. Donc, ouais, ça a commencé comme ça. J'ai jamais vraiment pu voyager et je pense que j'avais ce truc de frustration où je me disais le jour où je peux voyager, vous allez plus me voir. Et là, est-ce que tu as pu rattraper le truc correctement Parce que j'ai noté en 2021, tu avais fait une grosse série de vidéos sur les US, New York en particulier. Tu as vécu là-bas pendant une certaine période Ouais, pendant un mois, je suis partie. Premier voyage, premier long courrier de ma vie et je pars un mois. Euh, C'était une expérience géniale. Euh, avec le recul, maintenant je pense que je suis plus team Asie. Mais. Expérience incroyable, premier voyage à New York, euh, c'était choquant. J'ai jamais fait New York, moi, c'est comment C'est vrai oh, C'est ouf. En fait, moi, j'ai eu cette sensation quand je suis arrivée. J'étais avec mon copain. Quand on était dans le taxi de l'aéroport, je lui ai dit Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je suis déjà venue. Parce que c'est tellement exactement comme dans les films que t'as l'impression que tu connais déjà. Mais c'est impressionnant. Est -ce... Trop impressionnant. Est-ce que c'est si cher que ça Ah, oh, punaise, c'est hors de prix. Hors de prix. Mais là, c'est de pire en pire parce que j'y suis allée en. 2000. Moi j'avais noté 2021. 2021 bah, okay. Ça doit être ça. Tu sais mieux que moi. Euh, C'était déjà hors de prix. J'y suis allée en 2022, donc un an plus tard, mais ça avait doublé. Même juste, j'ai pris le même appartement, il avait doublé. Tu sais que je lisais justement encore des subreddits et tout, tu vois, avec beaucoup de voyageurs, et des gens qui parlent de New York et ils disent que ça a encore augmenté, que la ville est devenue genre abusée, et abusé. que pour vivre à New York, non, il mais... faut minimum genre des 100 110 cas de salaire annuel, sinon tu t'en sors pas, il faut 10K par mois. Moi, je me rappellerai toujours, à un moment, avec euh, mon copain, on a pris deux bouteilles d'eau, un sneakers, 22 dollars, voilà. En fait, je pense que j'ai même plus besoin de continuer de parler de New York. De bouteilles d'eau. Ça te donne un, la, la vague, tu vois. Deux bouteilles d'eau, un sneaker, 22 voilà, dollars. 22 dollars. Voilà. Si t'as envie de partir, bah. <rire> prévois. En dehors de ça, elle est bien la ville. <laughs> parce non, que franchement, vrai, niveau argument, là, tu m'as pas Mais donné tu sais envie que de. La deuxième année où j'y suis. En fait, la première année, j'étais vraiment impressionnée. Donc. Euh, je voyais un petit peu moins cet aspect-là. Mais la deuxième année, on s'est fait la remarque et on s'est dit, quand même, ça gâche, en fait. Tu veux respirer, ça te coûte de l'argent. Tu vois, c'est too much. Too much. Et du coup, aux US, t'as fait que New York ou pas J'ai fait que New York. Que ça. Je connais rien d'autre. Donc, je connais pas vraiment les US. Parce que moi, tu vois, par exemple, moi, je suis pas un grand fan des US. Des ouais. villes que j'ai pu faire. Qu'est-ce que tu as fait je, je pense qu'il faudrait que j'y retourne en mode road trip ou, tu vois, pour faire vraiment l'intérieur du pays. Je, je, je pense dans le chat a, ou dans les gens qui nous regardent, il y en a qui ont plus fait le pays profond, tu vois. Genre, donc on va dire les, euh, les forêts, tout ce qui est lac, tout ce qui est réserve ouais. naturelle et tout. Mais moi, par exemple, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait Dallas, j'ai fait L.A euh, J'ai fait... Pas New York, j'ai fait... Euh, comment ça s'appelle Las Vegas Non, pas Las Vegas. J'ai vécu à Orlando quand j'étais gamin, mais j'étais suffisamment gamin pour on pas m'en rappeler de ouf. Ok. Et en fait, les villes américaines, j'ai je... du mal. Paradoxalement, en Amérique du Nord, j'ai kiffé le Canada. Ok, mais... ouais, mais c'est quand même différent apparemment. Toronto, Montréal, de la frappe. Ouais. Okay. Toronto, de la frappe. Tout le monde m'en dit du bien. Toronto, je répète, c'est de okay. la frappe. Okay. En fait, t'as des villes. Le problème qu'il y a aux US, alors toi, tu n'as pas dû le vivre à New York parce que New York, je crois que c'est une des rares exceptions, c'est qu'il n'y a pas de ville. Les ouais. villes, en fait, sont tellement faites pour la voiture que tout est étendu. Ouais. Les centres-villes sont minables, tu n'as que des quartiers de maison, c'est étendu sur 150 km, okay. entrecoupé de quelques zones commerciales okay. et beaucoup de craquettes. Ouais. Ok. Moins, moins cool. D'accord. Les États-Unis Ouais. ouais c'est spécial, hein. C'est spécial. parce ce que je préfère, tu vois. Par ouais. contre, je te conseille euh, le Canada, moi, j'ai kiffé, tu vois. Okay. Toronto. Je pense que je le ferai un jour. Comme ça. Ça me, ça me donne envie, tout le monde me dit d'y aller. Donc euh... En plus, tu vois, ils parlent bien anglais, ils ont quand même un peu ce bail de français, une mentalité un peu différente, des prix moins chers. Oui. À noter. <laughs> ça fait plaisir. Extrêmement important, extrêmement <laughs> important. Euh, au final, c'est quoi ton retour d'expérience qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais pour ceux qui voudraient peut-être faire New York D'après une personne qui est allée quatre semaines quand même Je pense qu'il faut franchement on va reparler d'argent mais prévoir l'argent parce qu'en fait tout ce que tout ce que tu veux faire euh, ça te coûtera de l'argent donc ça peut être vraiment frustrant tu vois si tu n'as pas prévu euh, tu veux faire juste un petit truc moi moi je m'étais dit un jour quand même on est obligé de faire de la parce qu'on était en décembre ouais. et décembre j'avoue que c'est ouf après c'est la période de la plus chère aussi je suis pas la Merry même, là. Machin, voilà, et Merry Christmas machin et j'avais dit on est obligé de faire du patin à glace mon mec me déteste pour ça j'ai dit on est obligé de faire du patin à glace à Central Park tu vois je sais plus qu'on on en avait payé mais c'était complètement fou donc tu vois je pense bien choisir la période si t'es pas fan de Noël ni va pas Noël euh, le logement c'est important aussi parce que il faut bien garder réserver en avance ça je me suis rendu compte parce que moi c'était toujours un peu last minute tu as plus de logement t'as que des trucs euh, hors de prix et je sais pas hein, profiter prendre le métro faire attention parce que c'est pas très safe <laughs> très attention ça s'est dégradé en plus ça c'est vrai que je l'ai vu euh, au-delà des prix euh, mmh. première année bon ça passe et je me souviens même dans mes vlogs je disais ça va je me sens bien je m'attendais à ce que je me sente un peu moins safe parce que faut pas oublier que j'ai quand même ce trauma aussi du train oui. du coup donc c'est vraiment mon critère numéro un d'ailleurs étonnant du coup que j'aime le Japon mais <laughs> voilà. et l'Asie au global ouais on en reparlera je pense oui. mais euh, c'est vrai que c'est mon critère important. Pour que je me sente bien en voyage, il faut que je me sente un minimum safe. Et la première fois, ça allait. Deuxième fois, c'était kata. Kata, il y a eu ce truc euh, où vraiment ça s'est dégradé de ouf. Où vraiment j'avais peur de prendre le métro à chaque fois que je le prenais. Donc. Euh... En fait, j'ai l'impression que je donne que des conseils pourris là. Genre, je dis que tout est de la merde. <laughs> <laughs> j'ai demandé un retour d'expérience. Oh non, c'est nul. Si dur. le retour d'expérience quand même quelques points je... C'est à faire euh... une fois dans la vie. Dans une vie. Okay. Parce que c'est impressionnant. Et bah, c'est New York quoi. Mais après, euh, j'irai pas y vivre. <laughs> je comprends. T'as ensuite réalisé, si j'ai pas de bêtises, du coup, on en parlait un peu au début, une expérience en Corée du Sud Oui. La fameuse. La fameuse Moi, Séoul, j'aime bien. Même si j'avoue que je l'ai comparé à Châteauroux, euh, <laughs> j'aime bien quand même. Ah non, t'abuses. Abuses. Moi, j'aime bien, moi. Non, mais oui. Séoul, je suis allé deux fois à, C à Séoul. Okay. Deux fois, deux semaines, deux fois. Ok. Quand même, t'as eu le temps de te faire ton avis. Ouais, je... En fait, j'ai bien aimé Séoul. Ouais. Mais j'ai moins été fan. De mon expérience qui ne vaut que ce qu'elle vaut, des Coréens par rapport aux Japonais. Okay. J'ai trouvé les Coréens beaucoup plus. Euh, beaucoup moins sympathiques. On un peu dire. plus focus, genre. Un peu plus chiant, par moments. Ah vois. ouais Ouais. D donne un exemple. Bah, J'étais avec ma femme. Ouais. On traverse. Mmh. Quand on traverse, c'est vert. Le temps d'arriver en face au sur le trottoir, ça passe au rouge. Mmh. Mais il reste un mètre. Un mec, un trave. Il te parle. Il te, laisse, euh, il te laisse un regard de travers, il te fait une remarque. Mais tonton, quand j'ai commencé à traverser, c'était vert. Mais il y a le compteur. le... Oui, oui, mais t'es dans le métro, tu chuchotes, t'entends Et ouais. Mais est-ce que c'était pas des personnes âgées À chaque fois C'était des personnes aigries. <laughs> ah, ok. Ah ouais, mais c'est ouf. Ah oui, oui vraiment, moi ah ça ouais. m'a marqué. Hein. J'étais, ah, mais attends, mais tonton, euh, on chuchote là, tu vois, on n'est pas en train de. Oui, oui, t'es des... pas en train de faire des dingueries dans le métro Oui. Tu vois, on n'est pas. Ouais, ouais. C'est pas la télé-réalité, tu vois. On était tranquille, tu vois. Et donc, du coup, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu austère un peu ouais. en mode. Euh, de... Ouais, de... saoulé. En quoi. fait, il donna l'impression de déranger, tu vois. Okay. Donc, euh, t'es là, comme ça, ok. Tu sais pas trop où ouais. tu vois Bah, c'est vrai qu'il y a ce, plus ce truc où, assez Moi, je sais que les personnes âgées me détestent. <laughs> je pense. Je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Il y a que <laughs> toujours des petits vieux qui me dévisagent en mode. Je suis assez habillée, qu'est-ce que j'ai fait Il y a ce truc, quand même, où ils jugent un peu les étrangers. Ouais. Certes mais moi là avec le parce que j'ai quand même pas mal fait Séoul pas mal fait le Japon et récemment beaucoup plus le Japon que Séoul et j'ai eu ce truc là cette année en y allant où j'ai eu l'impression effectivement que les Coréens étaient plus en fait c'était plus fake tu vois rien que je sais pas c'est complètement idiot mais euh, la réception de l'hôtel tu sais c'est un peu genre comme ça tu vois alors que les Japonais tu sens qu'ils sont là pour t'aider ils... je sais pas c'est plus c'est plus sincère dans la démarche, mais juste dans les relations un peu superficielles. Après, moi, je m'entends bien avec les Coréens, sinon. Avec qui, enfin, tu vois, j'ai quelques potes mmh. en Corée et je m'entends très bien. Donc, je sais pas. J'ai quand même une belle expérience. Encore une fois, quand on discute comme ça, je tiens à le rappeler euh, à toute fin utile. <laughs> C'est notre expérience, donc elle ne vaut que okay. qu'elle vaut Ça se trouve, il y a des gens qui, dans le ce a chat qui ont fait les deux pays seraient capables de dire le contraire et votre avis serait tout aussi valable que le nôtre. Ouais. Mais ouais, moi, je ressens un peu ça, tu vois. Genre, les Japonais et même les vieux, ils sont même à même de venir te parler de manière beaucoup plus naturel, tu vois. Ils sont plus curieux, ils ont envie de savoir pourquoi tu es là, ils discutent, je suis d'accord. Tu vois, vraiment, j'étais au Sento, les bains publics, d'accord, en train d'enjoyer un bassin chaud, un vieux japonais de 85 ans qui vient, tu viens d'où, tu fais quoi ici, tu vois, machin. C'est la vie, tu vois, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Tu cours un peu, des darons qui te font coucou avec leur enfant, et tout non, franchement. L'arc Japon m'a ouvert euh, <laughs> des voies. Fukuoka, vous-même vous savez, <laughs> vous-même vous savez. Et donc du coup, t'as une expérience sud-coréenne. Bon, franchement, moi, elle est incroyable. Hein. J'adore la Corée. J'adore la Corée. C'est ouf. Je suis partie la première fois que j'y suis allée, c'était il y a trois ans. Il y a trois ans Il y a deux ans ouais, Mais j'ai un problème avec les dates, c'est un truc de ouf. Euh, et euh, je suis partie un mois. À chaque fois, j'y vais un mois. Euh, la première fois, c'était pour faire une série de vidéos que j'ai sur ma chaîne. Ça s'appelle la Vlog Week. Oui. Où je fais une vidéo par jour pendant une semaine. D'accord. Et le but à la base c'était de faire ça à chaque fois dans une nouvelle destination où vraiment je filme, tu vois, le lundi ça sort le mardi. Et ce que j'aimais trop c'est d'avoir ce truc de, bah je sais pas, le lundi je vais dire ok si vous avez des recommandations de resto euh, bah dites-moi en commentaire. Et tu fait les fais les gens. Et le lendemain je le fais. Et Du coup je trouve que c'est c'est incroyable comme concept. Donc j'avais adoré le faire en Corée. Et j'ai lancé le concept là-bas, okay. donc c'est vrai que du coup je pense que ça a marqué ma chaîne et ça a marqué les personnes qui me suivaient parce qu'on avait du coup ce petit rendez-vous en Corée après euh, tous les ans. Ouais, ouais. Dans le chat ils disent c'était incré la vlog oui tu vois. Maintenant j'ai l'impression que je suis trop vieille pour le faire, je tiens plus, <laughs> ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. C'est toi qui faisais encore euh, justement tous tes montages, tous tes ouais. machins parce que si tu faisais et le vlog et le montage le rythme et il le vlog être, euh, et... ah ouais, c est C'est intense. Franchement c'est intense parce que je vloguais toute la journée, je faisais le montage la nuit et le lendemain bah fallait vloguer et tout ça pendant une semaine donc en vrai c'est hard, c'est hard mais c'est trop bien donc tu sais un peu entre les deux en mode euh, je suis un peu en train de crever mais en même temps c'est trop bien donc euh, non en vrai j'avais adoré et du coup ça s'est trop bien passé et la Corée moi j'ai c'est au début je m'étais dit je vais vivre là-bas, j'étais pas encore allée au Japon mais... Je m'étais dit, je vais vivre là-bas. Je m'étais dit ça aussi la première fois que j'y étais. C'est vrai. Ouais, je vais pas mentir. Ouais. Moi, j'avais kiffé et en fait, la première vidéo que j'ai vue de toi, ouais. c'était ma vie en Corée du Sud. C'est vrai. C'est vrai qu'elle avait pas mal fonctionné cette vidéo, elle avait touché plus de monde que, que d'habitude. Trop bien. Je l'avais trouvé vraiment génial personnellement. Oh, trop cool. Merci. Mais ouais, euh, franchement, euh, c'était ouf comme expérience. Du moi, ce qui m'avait choqué parce que c'était la première fois que j'allais en Asie, ouais. si je me... oui, c'était la première fois que j'allais en Asie. Bah, c'était le fait de se sentir si bien, aussi safe de plus avoir en fait j'ai découvert une autre vie tu vois j'ai découvert la vie où t'as plus besoin de réfléchir quand tu sors comment je rentre qu'est-ce que je prends euh, qui m'accompagne comment je m'habille comment je me comporte quand... comment' exactement si, comment ça... bon comment je m'habille un peu encore quand même okay. parce qu'il il y a ce truc euh, où c'est quand même assez euh, conservateur au niveau des vêtements quand t'es une femme tu montes pas trop tes épaules euh... tu vois autant Là-bas c'est pas du tout comme en France d'accord tu peux t'habiller par exemple une jupe hyper courte par contre, tu vas jamais montrer tes épaules. Ok. tu, 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 ah, tu c'est intéressant pas ça, tu vois ça. Par contre, moi, je me rends pas compte. Tu vois. Ouais, mais je pense, bah, chez les mecs, il n'y a pas trop de règles, tu vois. Mais c'est plus chez les, chez les meufs. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais juste ça. Moi, bon, après, on, on, franchement, c'était le cadet de mes soucis. Et euh, j'avais vraiment eu, pour la première fois, cette sensation d'être un peu libre, tu vois. Et ça, ça m'avait fait. Enfin, euh, j'étais trop heureuse, quoi. En plus, tu as dû voir le groupe avec lequel je voyage en général. Crois-moi, en Yas, encore, et moi, on s'habille comme des ploucs. <laughs> euh... C'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément de, de ces petits trucs. De... C'est ouais, un truc de meuf. Tu vois, ces petits codes, ouais. ces petits trucs de puder et tout, forcément, on ne s'en rend pas compte. En parlant de travail et de vidéos, <laughs> Yass qui est dans le chat, ça régale. Euh, en parlant justement des vidéos, tu disais que tu faisais tout. Est-ce que maintenant, en 2024, ça a évolué Est-ce que en tant que créatrice de contenu, tu as fait ce petit passage à t'entourer, avoir un graphiste miniaturiste, un monteur, un signe, un machin C'est comment la, la Andy et la Corp Ouais, maintenant, ça a évolué. Euh, bah a... J'ai une assistante, déjà. Oui. Trop bien. En CDI, qui... que j'adore. Vraiment, je l'adore. Heureusement qu'elle est là. Euh, elle, elle est d'ailleurs avec moi au Japon. Justement. Elle sert à quoi, concrètement euh, Alors, elle est tout le temps avec moi. Euh, elle m'aide à la création de contenu, surtout donc, euh, donc euh, l'organisation tu vois du planning des vidéos euh, typiquement euh, avant je faisais des vidéos un peu plus euh, maintenant je fais pas mal de vlogs mais il y a une période où je faisais vachement de vidéos assez enfin un peu plus chargées j'avais fait une vidéo par exemple j'ouvre mon resto Uber Eats okay où pendant 24 heures, je livrais dans toute la ville des recettes que je montrais tout le temps sur ma chaîne. Enfin, c'était très drôle. Mais tu vois, typiquement pour une vidéo comme ça, il faut de la préparation, faut ah, acheter... Il faut euh... la dark kitchen, faut les, les ingrédients, il faut les concepts. il faut, les faut cils, le sac machin. Uber Eats. <laughs> Il y a plein de choses qu'il faut. Tu et vois. Oui. et euh, en fait, j'arrivais à un moment où c'était soit j'organise, je passe mon temps à organiser les vidéos et je fais des tâches qui globalement me gâchent, entre guillemets, ma créativité. Euh, soit bah, je prends quelqu'un pour m'aider à faire ça et je reste focus sur la création des vidéos, ce que j'aime finalement. Et, euh, et donc à un moment, je me suis dit, let's go. Donc là, ça fait un an et demi à peu près qu'elle est là. Très bien. Je suppose que ça a dû être un apport concret. Un an, un an et... Non, un an. an. Oh C'est mm. euh... Elle va vérifier, elle, ça fait deux mois. Hein, ouais, n'importe en fait. <laughs> quoi. Euh, et ouais, ça a tout changé. Ça a tout changé. Euh, franchement, je, je l'adore. Elle est, elle, est, elle est très forte et euh, on s'entend très bien, euh, on adore, maintenant elle voyage avec moi aussi, donc c'est trop cool, donc euh, trop sympa. Et euh, j'ai un monteur maintenant, bon ça fait quelques années hein, maintenant, mais c'est vrai que quand je faisais cette série de vidéos là, euh, où je faisais un vlog, euh, un vlog par jour, ouais, le vlog. ça c'était moi qui, 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 qui devais monter, il m'avait aidé, je me rappelle, la dernière série, il me semble, mais euh, sinon je le, je le faisais moi. Mais sinon, oui, maintenant les deux vidéos par semaine sont montées par mon monteur. Heureusement qu'il est là, il est très fort et je l'adore aussi. Voilà. Tranquillement, <laughs> le petit. C'est important d'avoir un petit staff et c'est toujours le moment qui fait passer un step, ouais. euh, enfin, genre une étape en général au créateur de contenu. C'est euh... ça. Et après, il y a aussi euh, mon copain. En fait, c'est un peu différent parce que bah, on a évolué ensemble. Donc, c'est pas, euh, pas. On est tous les deux ensemble, tu vois. Mais euh, c'est devenu mon agent. Ok. Mon copain. Ouais. Euh, ce qui était euh, une très bonne décision Parce qu'on arrivait à un moment où bah, j'avais Des trop bonnes opportunités euh, Lui il m'aidait un peu tu vois à répondre à mes mails et c'est pareil il y a toujours ce truc de Ça c'était vraiment le tout début du coup Quand ça a commencé à devenir un peu plus un travail ouais. Où euh, bah, il fallait que je réponde à des mails Mais en même temps je voulais continuer les vidéos Et il y avait plein de trucs, des calls, des machins Et bah, il m'aidait mais lui il avait son travail à côté Au final il a arrêté et on s'est dit let's go euh, On savait pas ce qu'on faisait mais on s'est dit Let's à go, plein temps. on verra bien Ce que ça, ce que ça donne et... Ça Fonctionne trop, trop bien. Ça se passe comment les collaborations commerciales, toi de ton côté, par exemple? Genre, parce que je suis sûr que par exemple, toi et moi, on travaille pas du tout sur le même spectre de marques, et partenaires, pense, de partenaires, de si et ça, normal parce qu'on fait des choses ouais, ouais. différentes. Mais donc, du coup, ça se passe comment de ton côté? Euh, tu veux dire, comment, comment j'en arrive à avoir une collab? Ouais, euh, bah en règle générale, c'est les marques qui contactent par mail. Ok, euh, après, ça dépend de la marque si je la connais ou non. Euh, si jamais je connais pas en règle générale. Je peux tester les produits. Souvent, en fait, ce que je fais, c'est que nous, on a une règle c'est le moins de collabs possible, le mieux. Okay. Toujours. Ah, c'est intéressant ça. Toujours, toujours. Je me limite au nombre de collabs. Par exemple, sur YouTube, je fais 8 vidéos par mois. Je veux pas. Je, en règle générale, je dis 3 collabs grand max. 4 si vraiment on a un truc de fou qu'on veut absolument faire ou qu'il y a quelque chose. Mais. Euh, pas une constante sur toutes les vidéos. Ah non, 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 non. surtout pas. Euh, en fait, j'ai toujours eu ce truc de peur de changer, tu vois, parce que j'ai commencé en faisant des vidéos euh, sur ma chaîne. Euh, le but, c'est de créer. Euh, C'était ma passion, quoi. Je veux pas changer, faire panneau publicitaire, etc. Surtout que maintenant, il y a Insta, il y a TikTok. Donc, tu peux vite, tu sais, en faire un peu partout et ça change ton contenu. Donc, je voulais pas. Donc, il y a toujours cette règle euh, que je suis contente qu'on applique. Et euh, donc, il y a ce truc qui limite pas mal. Donc, au final, on choisit que bah les marques qu'on adore, quoi. Tu vois, les marques qu'on adore. Et le reste, en règle générale, on refuse. T'as déjà refusé, genre, des bails un peu farfelus ou alors... Euh... Bien sûr, mais toute la journée. Toute la journée. C'est un truc de fou. Les demandes, c'est fou. Parfois, euh... Parfois, je me rappelle d'un truc. C'était il y a longtemps. Mais un jour, on m'avait demandé <laughs> de faire une, une, sa Attends, une salopette, je crois. Okay. Une salopette où t'avais un trou pour faire pipi. <rire> 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 je te jure, ça, je pense que c'est la demande la plus folle. On est reçu. Sinon, en vrai, c'est juste des marques normales et voilà. Mais ça, c'était le truc le plus fou. On l'a vu. On se dit, c'est pas possible. Petite salopette avec le trou pipi. Pourquoi pas En vrai. Prochain sponsor, en libre. En vrai. C'est qui me En vrai, il y a un truc dans le chat. est accepté. Les gars, y a pas. Alors je rigole. oh, je suis un panneau publicitaire à moi peut-être Non. J'ai quelques sponsors ici, là. Ouais, et mais les tu les vois, je trouve que c'est pas, qu mais... pas pareil. Vas-y, bah si, si, c'est intéressant, pourquoi Moi, je trouve qu'il y a une grosse différence dans le monde. Alors là, c'est un débat. Non, bah, bah si, vas-y, vas-y, vas-y. Mais dans le, dans le YouTube ou globalement les réseaux chez les mecs et chez les meufs. Ouais. Je trouve que chez les meufs, en tout cas dans la beauté, mmh. déjà les gens peuvent te critiquer. Bah, je pense que ça dépend aussi de ce que tu fais, etc. Si tu fais beaucoup de collabs. Alors que je trouve que comment c'est présenté chez les mecs. T'as envie et tu comprends pourquoi la personne fait les collabs. Tu vois, je sais pas, quand tu, fais, quand tu montes tes sponsors, je me dis, mais putain, mais trop bien, ils financent le, le, le voyage au Japon, euh, c'est incroyable, c'est une opportunité de ouf. Et je trouve que chez les meufs, c'est pas présenté pareil. Je vais pas mentir, et je pense dans le chat, ils seront à peu près d'accord parce que c'est aussi beaucoup de gens qui. C'est vrai. Ouais. <laughs> c'est vrai que je vois pas beaucoup de messages qui me disent, ouais, oh, que niveau sponsor, là, il y en a beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'en général, les gens comprennent ou ouais. me font pas spécialement chier. Et soit ils sont intéressés par que je propose et donc dans ce ouais. cas-là ils investissent euh, moi par exemple un partenaire récent que j'aime beaucoup parce que j'utilise beaucoup leur produit moi-même c'était Oli donc du coup je sais que beaucoup de gens ont découvert grâce à moi Trop par contre bien. à côté de ça c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de gens qui me disaient euh, en général euh, ouais ça fait chier parce que je trouve qu'en 2024 c'est entré un peu dans les mœurs bien tu vois. sûr après ce qui veut pas dire que du coup on fait de la pub pour tout et n'importe quoi ah pas du tout et d'ailleurs ce qui veut pas dire qu'en 10 ans de carrière j'ai pas fait d'erreur il hein. y a certains partenariats <laughs> Je m'en serais bien passé! Il y en a toujours! Hein. Je m'en serais bien passé, bien oh. évidemment! Euh, mais en vrai, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a moins ce, ce truc-là. Ouais, non, mais je suis d'accord, et je trouve que. Mais même moi, en tant que consommatrice, hein, je vois des trucs parfois sur Insta, je me dis putain, encore une sponsor. Alors que quand c'est des vidéos, mais je pense que c'est le, le type de vidéo, parce que je pense qu'il y a ce truc vachement de prod aussi que tu vois, tu fais. Ou t'as envie de soutenir en fait, c'est pas pareil. Est-ce que tu penses pas parce que quelqu'un le dit dans le chat aussi que côté euh, euh, créatrice de contenu surtout dans ce qui va être mode beauté, il y a un côté peut-être éthique plus présent que dans les autres euh, pas filières mais dans les autres on va dire euh, cast euh, euh, industrie autre, ouais, ou ouais, peu ouais. importe. Peut-être, peut-être, mais je suis même patient. Fin... Parce que je sais qu'il y a eu les soucis tu sais, avec tout ce qui était... Euh, je vais citer des marques, genre les Tému, les Shein, euh, ah, la Fast oui. Fashion, peut-être aussi euh, certains produits avec euh, peut-être euh, ah, ouais, euh, certaines polémiques autour de certaines ouais, marques de vêtements. De je, je sais pas, tu vois, je, je pose vraiment la question. Je pense qu'il y a eu de l'abus. Après, c'est pareil chez... Je sais pas, dans les sponsors. Ouais, on a tous les mêmes euh, trucs, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait de... Jamais de la vie, j'ai fait euh, des Shein et compagnie, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai jamais de commentaires sur les sponsors. Mais je veux dire... Euh... Je trouve que c'est pas présenté pareil. Okay. Je trouve que chez, chez les meufs, mais c'est de notre faute, mais on dirait que c'est euh, moins amené naturellement, peut-être. Ouais. Je sais pas, il y a ce truc quand on regarde des vidéos. Moi, je, je regarde tes vidéos, je regarde les vidéos, je sais, pas, je sais pas, Louis par exemple, je regarde ses vidéos, je me dis putain, mais trop bien. Genre, c'est cool pour vous, trop bien. C'est pas pareil. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, en parlant de Marc, c'est magnifique parce que tu me fais une transition toute euh, donnée. Il y a les marques qui nous, qui, qui nous sponsorisent, mais il y a aussi, bien évidemment, les marques qu'on peut lancer, dont la tienne, et que j'ai découvert justement il y a quelques temps, avec le joli pot qu'on a mis justement dans le trailer oui, Japon, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un petit truc, dédicace en plus à ton copain qui a fait en sorte qu'on puisse l'avoir rapidement. En novembre 2023, tu lances, à 22 ans, ta première marque nommée Milia Matcha. Première question bête, mais si certains ne le savent pas, c'est tant jamais, c'est quoi du matcha du matcha, c'est du thé vert réduit en poudre. Donc, la particularité, c'est la phrase que je répète, je pense, tout le temps, mais elle est hyper simple pour comprendre c'est que quand tu fais euh, un thé vert classique, tu infuses les feuilles dans de l'eau. Okay. Et la différence, c'est que là, tu consommes la poudre directement. Donc, tous les bienfaits du thé vert, qui sont x10. D'accord. Voilà. Parce que vraiment, moi, dans ce cas, je comprends rien. <laughs> <laughs> Désolé de le dire comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas? Parce que moi, par exemple, je suis un mec. L'avocat, j'aime pas de ouf. Mais je kiffe le guacamole. Oula, attends, parce que j'ai pas compris là. Vas-y. Le thé vert, j'aime beaucoup. Ouais. Mais au début, le matcha, j'aimais pas. Ouais. T'as pas goûté les bons. Donc j'étais en mode, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Parce que le guacamole est issu de l'avocat, <laughs> le matcha issu du thé vert. C'est ça, moi bon, c'est. Donc j'aime un truc mais pas l'autre. Après même c'est dans une forme différente effectivement. C'est une forme dit. différente et il y a aussi plein de variétés différentes, il y a plein de manières de les préparer etc. Souvent, en règle générale, les gens disent le matcha c'est amer. Tu vois il y a ce truc de, ils vont dans des cafés etc. Ils goûtent et moi c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait. Ce qui s'est passé c'est que dans mes vidéos je parlais beaucoup. De, de matcha okay. tout le temps ok euh, c'était voilà. ta propagande euh, ma propagande c'était pas fait exprès à l'époque hein, parce que j'avais aucun projet ouais. mais euh, je parlais tout le temps de matcha c'était naturel bah en fait je me filme globalement je filme un peu toute ma vie et comme je bois tout le temps du matcha ça revenait beaucoup et en fait au fur et à mesure j'avais ce truc où j'envoyais des abonnés dans la rue etc et qui me disaient j'écoutais du matcha c'est dégueulasse <laughs> <Je> t'as <'en rire> posé des... des déceptions en chaîne mais vraiment non mais je pense que tu te rends pas compte c'est à dire que limite on me disait pas bonjour c'était on dit j'ai goûté le matcha c'est dégueulasse. On me disait vraiment ça. Et donc à un moment, bon, ça, au bout de plusieurs années quand même, hein, je me suis dit c'est plus possible. Je ne peux plus entendre cette phrase. J'aime le matcha. Je suis allé au Japon. J'ai écouté du très bon matcha. C'est fini. J'apporte ma vision du matcha en France. Ok. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça a été, comment ça s'est passé justement le, le process pour réussir à en trouver, euh... parce que je suppose que c'est pas spécialement facile de réussir à trouver même industriellement euh... ouais. la création et tout, ça s'est passé comment Honnêtement c'était très compliqué, parce que le Japon, bon déjà on parle pas du tout la même langue, ils parlent pas anglais, euh, j'étais venue qu'une fois au Japon, euh, mais j'ai eu ce, ce truc où voilà j'ai cherché, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, je me suis renseignée, euh, j'ai beaucoup testé parce okay. que avant de choisir euh, aujourd'hui euh, ce, qu ce que, ce que j'ai choisi il y a eu beaucoup d'étapes euh, et beaucoup de refus mais, euh, mais au fur et à mesure franchement j'ai fait des rencontres à kyoto c'est là où bah, c'est la ville du matcha ok euh, je sais pas si tu es allé à kyoto jamais 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 bah, en vrai il y a beaucoup de touristes je sais pas forcément ce que je recommande le plus c'est magnifique mais il y a beaucoup de touristes j'ai vu la vidéo de Tev à ce sujet donc c'est vrai que c'est pas la ville qui m'a tu vois c'est pour ça qu'on a fait ouais, fukuoka pas et pas osaka kyoto euh... ouais, ouais, ouais. Tu vois. mais c'est la ville du matcha, c'est-à-dire qu'il y en a partout, mais c'est un truc de fou. Okay. Et là-bas, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont énormément aidée. Genre dans des fournisseurs routine. notamment, des producteurs peut-être Pas directement, euh, j'ai rencontré, ça a commencé par le petit papy qui m'a préparé un matcha, je lui posais des questions, il m'a dit mais voilà, etc. J'ai rencontré une personne euh, qui justement avait des champs de matcha, et donc c'est comme ça que j'ai pu faire ma première visite de champ, ce qui était dingue vraiment à ce moment-là je me dis mais je suis sûre là c'est bon c'est enfin, quand je l'ai vu après je me suis dit euh, c'est obligé c'est tellement magnifique okay. et euh, au fur et à mesure du coup je me suis dit OK bah il faut que je visite plein de champs il faut que je rencontre plein de monde et que j'arrive à pouvoir tester différents matchs. Tu vois » donc ça a pris beaucoup de temps et ensuite, ça s'est passé comment sur euh, l'étape euh, ramener ça en France Parce qu'on l'a vu, hein, on parlait de TF, TF, lui, il a fait beaucoup de commerce Japon-France ouais. et mmh. il a témoigné des difficultés qu'il peut, ouais. qu peut y avoir entre les deux, notamment en termes de normes, en termes de douane, de ça. taxes, de, de tout ça. C'est la nourriture en plus. Donc euh, Mais oui. encore plus. Ah ouais, avec l'Union Européenne et les normes, oui. Bien sûr. Et donc du coup Bah ça a été beaucoup de contrôle, beaucoup, bah, il a fallu euh, s'entourer parce qu'à un moment... Euh, j'ai 22 ans, je ne vais pas faire le contrôle du match, tu vois ce que je veux dire Logique. Donc euh, il a fallu s'entourer. C'était Franchement, c'était compliqué, je ne vais pas mentir. C'était très dur. Il y a des moments je me suis dit, ça va... on ne pourra jamais la sortir, la marque, parce que c'est trop compliqué. On est passé par plein d'états, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a on pas... Enfin, pas choisi un matcha. on s'est dit, on va le vendre en France, on a créé une recette. Parce que, ce que les gens ne savent pas, sans rentrer non plus trop dans les détails, parce que ça va être chiant pour ceux qui n'aiment pas le match, mais le matcha, c'est des mélanges de variétés de matcha. Okay. Donc tu vois dans un pot de matcha, t'as plein de variétés différentes. T'as pas juste un truc. T'as pas juste un truc, euh, voilà. Et en règle générale, les, euh, les producteurs de matcha créent un peu leur blend, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment créé notre blend, à 100 parce qu'à un moment, je voulais exactement ce que... Enfin, tu vois, je savais que ce toi que tu je voulais, kiffes, quoi. quoi ouais voilà. Ouais. À la base, c'était un matcha pour moi, hein, voilà. C'est un matcha pour moi, et si vous aimez, allez-y, hein, mais moi, j'adore. Et, euh, et donc, il y a eu ça, et il y a eu aussi le, tout le process, parce qu'on a des matcha aromatisés. Matcha vanille, matcha fraise, il y en a d'autres qui arrivent, okay. mais euh, c'est ce qu'on a, ce qu a créé au début. Donc, ça, c'était beaucoup de process, les labos, les arômes, euh, pour faire passer fin, du Japon à la France. Euh, beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. D'accord. Ouais. Et au final, ça va au final, ça va. Ne porte pas l'œil. <laughs> c'est chaque jour, un jour, une histoire, mais c'est beaucoup de travail. Mais honnêtement, on est trop contents. Le lancement, est-ce qu'il s'est passé exactement comme vous vouliez Vous aviez du stock Est-ce que ça a répondu présent du côté de la communauté Je suppose que oui. Oui, euh, c'était plutôt choquant. On n'avait pas prévu. Euh, J'avoue qu'au début, on avait prévu une certaine quantité. Et au fur et à mesure, tu vois, de la création de la marque, j'augmentais un peu les quantités. Je me disais, bon quand même, on ne sait jamais. Tu sais, plus tu augmentes, plus tu investis aussi de l'argent. Donc c'était quand même assez risqué. Donc je me disais, bon, quand même, mais je m'étais dit, il faut au moins tenir, tu vois, 6 mois. Euh, parce que après un moment, si je dois repasser une commande, il y a quand même un certain temps, euh, tu vois, de pour production. Pour que ça se produise, que ça s'envoie, que ça vienne, ça. après que le packaging, les machins, les bidules. Exactement. Et en fait, on a été sold-out le premier soir, donc c'était franchement. T'as envoyé six mois de stock le premier soir. Exactement. <laughs> c'était ouf. Alors que dans ma tête, je m'étais dit, et tu sais, j'essayais de faire genre, plus le lancement approchait, je me rappelle au bureau et tout, j'étais en mode. Non, mais bon, au moins on en a pour l'année. Enfin, tu sais, je commençais à paniquer un peu. Parce que je me suis dit, on a prévu beaucoup trop. Et en fait, euh, tout est parti. Donc en fait, Quasiment. le petit pot de matcha que j'ai chez moi, là, il est rare. Il devient un peu. <laughs> c'est ouf, franchement, c'est fou. On est, on est trop, trop content. Et, euh, et aujourd'hui, on essaye. On a, là, on est en rupture produit, de deux produits sur le site. Ok. Sur combien sur 5, okay. euh, et euh, on essaye de, enfin vraiment je pensais pas dire 5 jours, mais l'objectif c'est de pas avoir de rupture parce que tu sais à un moment c'est frustrant, c'est quand même quelque chose que tu consommes tous les jours, donc tu as envie d'avoir ton, euh, ton matcha tous les jours quoi. Donc euh, c'est le travail de, c'est aussi pour ça qu'on est au Japon. Ouais c'est ce que j'allais euh, dire au final, est-ce que le, la visite a aussi un lien avec ça C'est ça, là, la, la... alors on est là assez souvent quand même, maintenant, dès qu'il y a des grosses commandes, parce qu'on commande des 60 000, 70 000, 100 000 canettes, euh, donc faut être là, franchement. Une fois, il y a eu une erreur d'impression. Après, je me suis dit, plus jamais je dépense autant d'argent et je laisse euh, tout ça euh, être géré à distance. 60, 70, 100 000 canettes, c'est un délire. Franchement, c'est ouf. C'est un délire. <laughs> Franchement, c'est ouf. Mais tu sais que je raconte ça, mais banal. Mais tu sais qu'en fait, j'ai toujours pas réalisé. Hein. J mais, toujours mais, pas... mais surtout, enfin, je me permets. Hein. Meuf, t'as 22 ans, tu sais que c'est un délire, <laughs> les gars. Ce que j'écoute, là, c'est ouf. Franchement, c'est fou. Ouais, c'est ouf. Mais je réalise pas du tout. Franchement, c'est c'est trop récent aussi, ça fait pas longtemps ouais. j'ai même pas eu le temps de m'habituer enfin j'ai même pas eu le temps de dormir d'ailleurs as du... déjà vu des palettes <laughs> comme ça là gigantesques les... ah j'ai vu des entrepôts jusqu'au plafond genre de canettes roses d'ailleurs les japonais mais c'était tellement drôle au début je m'étais dit, parce que les canettes sont roses pour ceux qui ont pas vu mmh. euh, je voulais absolument qu'elles soient roses et, euh... et c'est vrai qu'au début je m'étais dit au Japon ils vont me regarder, ils vont me dire qui es-tu D'où viens-tu Comme toi. <laughs> Et qu'elle a été qu ton parcours scolaire. Mais vraiment euh, pour en arriver là, ma belle. esthétique. Pose-toi les <laughs> bonnes questions. Et en fait, pas du tout. Ils ont trop kiffé. Parce qu'il y a eu, tu vois, il y a mon producteur de matcha, mon producteur du canette Il y a plein de, y a quand ouais, même oui. plein de fournisseurs différents. Et euh, au début, je m'étais dit, euh, ça va pas le faire. Et en fait, ils ont adoré. Ils ont adoré. Ils ont dit, putain, enfin, ça change. Euh, mon producteur de matcha. Bon, je. Je le porte vraiment dans mon cœur parce que c'est au-delà de tout ce qu'on fait ensemble, c'est une personne incroyable. Mmh. Je suis trop contente de pouvoir soutenir. Et, euh, et lui, il était trop content, quoi. Trop, trop content. En parlant de lui, ça se passe comment de travailler avec des Japonais Est-ce qu'il n'y a pas des différences culturelles assez énormes <laughs> qui oh se mettent si. en place Oh que si Alors, il y a du très positif, comme des choses où c'est un peu plus difficile de s'adapter. Moi, ce que je retiens et que j'adore, et j'ai vraiment vu la différence en travaillant, du coup, on travaille aussi avec la France, on travaille avec euh, d'autres pays. Euh, c'est que qu'il respecte les délais. Mais ça, mais mon Dieu quel plaisir, je peux te dormir la nuit. Voilà, il me dit c'est le 22, c'est le 22, il n'y a pas d'autres questions à se poser. C'est okay. incroyable. Et d'ailleurs ce ne sera pas le 22, ce sera même le 20. Tiens, pour te prouver bon. qu'on est au Japon. C'est <laughs> beau. C'est incroyable. Jamais de problème, toujours nickel. Donc ça c'est trop bien, mais du coup il y a ce truc où il y a peu de flexibilité. C'est-à-dire que là, on était du coup dans cette situation où bah, on était en rupture le premier soir. Donc, vraiment, après le lancement, j'ai appelé le Japon, parce que du coup, c'était le matin chez eux. Et t'as dû leur dire Urgence Urgent Il faut se réveiller là, en étant la merde. Et il euh... y avait ce truc où j'ai quand même eu peur de ne pas pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé en vrai. J'ai reçu le matcha euh, quand même un peu plus tard, où voilà, il n'y a pas de flexibilité, même si tu payes plus cher. Ça, c'est la règle que j'ai appris, c'est pas partout pareil, tu vois. Il y a des pays où tu payes plus cher, tu passes avant tout le monde. Et en même temps, c'est ce que j'aime parce que je me dis, bah il y a personne qui paiera plus cher et qui passera avant moi, devant mon délai aussi, tu vois. Donc, il faut savoir s'adapter. C'est... Voilà. Il y a des délais, tu les respectes, et puis voilà. <laughs> pas, pas de passe droit. Pas de passe droit. Mais donc, du coup, ça te bénéficie aussi parce que, comme tu as dit, personne ne te passerait dehors. Exactement. Donc, il faut savoir s'adapter. La communication, c'est autre chose. Souvent, on fait... Enfin, je trouve que les Japonais font parfois un peu une montagne dans tout petit truc. Euh, et tu le ressens, parfois je veux juste modifier un petit truc, tu sais. Genre, bah sur l'étiquette, on a rajouté un point après le truc, mais du coup, faut, je vous renvoie le fichier et puis on change pour la prochaine impression. Pas du tout. Panique à bord, on revoit tout. Et parfois, tu vois, il faut un peu. Vous inquiétez pas, tout Cal va bien se passer. Calmer la chose. Voilà. C'est vrai que ça, ça change, tu vois. Moi, je suis d'origine marocaine, des fois au Maroc. Euh... Le truc est noté ouvert à 9h, tu à 10h30, il est fermé, puis tu appelles, le ça. gars sort de son lit et il vient t'ouvrir à 11h30. tu vois. Pas du tout pareil. C'est vrai qu'il y a des différences euh, qui peuvent être un peu marquées euh, d'un pays à l'autre. Même avec la France. Hein. La France, franchement, j'ai eu beaucoup plus. Je pense que ça va en étonner beaucoup, mais j'ai eu beaucoup plus de problèmes à travailler avec la France qu'avec le Japon. Alors qu'on parle la même langue, on est quand même dans le même pays. Les livraisons, globalement, c'est quand même un peu plus simple. Mais non. J'ai eu plus de mal, j'ai eu plus de problèmes avec euh, des fournisseurs français, euh, notamment nos cartons euh, d'envoi, d'expédition, parce que pour l'instant on est uniquement en ligne. Euh, on devait être livré pour le lancement, on a été livré trois mois plus tard, sans, sans aucune réduction, sans rien. On nous a vraiment dit prenez vos cartons, voilà, vous et les puis... avez. Et puis démerdez-vous. Donc euh, tu vois, il y a eu deux, trois petits quoi qui n'arrivent pas au Japon. Je comprends, je ouais. comprends, je comprends. Alors. Un Objectif, tu vois, que j'ai parce que par exemple, moi aussi, j'ai lancé un truc euh, il y a quelques temps. Euh, c'est euh, un restaurant qui s'appelle La Casse Dallery. Je suis même pas pour faire ma promo que j'en parle. C'est pour dire, je pense, que tu seras d'accord avec moi. Le but, c'est aussi de réussir à toucher un public et... et vendre à des gens qui ne nous connaissent pas, exactement, ou alors qui vont adhérer à la marque sans forcément suivre le créateur de contenu. C'est ça. Moi, j'ai pas l'ambition de me dire qu'une personne qui vient manger ce qu'on propose me regarde. Et je pense que ça doit être aussi pareil pour toi. Est-ce que pour l'instant, c'est réussi, franchement? Oui, je pensais pas. C'était l'objectif pour le coup. Je me disais, franchement, c'est trop cool que ça reste dans la communauté, etc. Mais je serais d'autant plus fière si ça touche d'autres personnes. Et euh, je pense qu'il y a eu un engouement au lancement qui a fait que ça a tellement fait parler qu'il y a plein de gens qui ont acheté sans connaître. Et euh, qui maintenant, d'ailleurs, potentiellement me, me suivent et m'ont connu grâce à la marque. Euh, donc ça fait plaisir. Et au fur et à mesure, on élargit un petit peu euh, notre cible aussi. Quoi. Ah, donc, à l'heure actuelle, si je résume, t'as une chaîne YouTube sur laquelle tu fais deux vidéos par semaine, une entreprise de matcha qui fonctionne bien, en tout cas pour l'instant ça a l'air. Il y a quoi d'autre Est-ce qu'il y a une petite troisième corde à ton arc C'est comment Alors, pour la France, c'est tout. Pour le Japon, du coup, ça se développe un petit peu plus. Okay. Je vais ouvrir ma société au Japon, là. On a fait euh, toutes les demandes, etc. Et on fait aussi une demande, je dis on parce qu'il y a mon copain et comme on travaille ensemble, voilà, c'est on tous les deux. Euh, on a fait les demandes de visa investisseur. Ça se passe comment ça Franchement, ça se passe bien. Enfin, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais ça se passe bien. Je crois que c'est un visa que tu peux obtenir en, en investissant un certain montant dans le pays. C'est ça, exactement. Bah, en fait, c'est. Euh, on trouve ta société déjà et ensuite tu fais ta demande de visa. Donc là, je suis en train d'ouvrir la société. Bon, là, ça devrait être fait bientôt. Euh, parce qu'il faut un compte en banque, etc. Euh, ce qui n'est pas facile à avoir au Japon. Mais pour l'instant, franchement, ça se passe bien. Euh, je suis bien entourée aussi. Je pense que ça joue beaucoup parce que du coup, on me conseille, on me donne les étapes, etc. Et euh, ouais, ça se passe bien. Visa investisseur. Tu sais qu'il y a un côté flow de Zaina. Franchement, c'est trop stylé de le dire comme ça. Je suis d'accord. Ça ouvre quoi comme possibilité alors, ça va faciliter vachement euh, bah, les échanges avec le Japon, parce que déjà, pour des raisons euh, euh, de, bah, tu vois, payer un fournisseur japonais avec un compte français, euh, c'est plus compliqué, il y en a qui, sont, qui ne veulent pas. Okay. On a été face à des, vraiment des personnes avec qui on voulait travailler. Qui voulait recevoir en yens d'un compte japonais. Ils nous genre. ont dit, il faut que vous ayez une société au Japon, okay. sinon c'est mort. Euh, ils sont pas chauds avec les sociétés euh, étrangères, ça apporte une grande crédibilité. Les Japonais adorent tout ce qui est safe. Oui. Donc, vraiment, tu vois, ils, ils veulent pas de stress. Et en fait, ils ont peur, parfois, des sociétés euh, à l'étranger. Quand on n'a pas un intermédiaire, tu vois, on n'a pas une grosse société au Japon. Oui, qui, qui fait le lien qui ou qui permet lien... de rassurer le bail. On est en direct. Okay. Donc, en fait, déjà, ils me voient, j'ai 22 ans, euh, je suis une meuf, je suis youtubeuse. Déjà, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est vrai donc, que ça sonne les red flags, euh, Ah il n'y a que vois. des red flags. Heureusement, je suis française. Ça, ils kiffent. Ils adorent les Français, donc ça va. Bon, on le voit avec tous les mots au hasard qu'ils mettent euh, sur des trucs. Ça n'a hein. aucun sens. Euh, donc, c'est le seul point positif. Et, euh, et ouais, non. Donc, du coup, euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, ça va. Ça, ça, elle a raison. Vraiment, il y a des pays qui ont dominé euh, le monde de plein de manières. Mais alors, euh, la... Je sais pas si la domination culturelle ou alors dans l'esprit des gens à l'étranger que la France a réussi à mettre, c'est une folie. Hein. Fou. Tu te balades au Japon, tu as des gens, ils ont un t-shirt j'aime la roseoire. Ouais. ça n'a pas exact. de Exact, très bon exemple. Mais, <laughs> <vrai>, mais <laughs> ils kiffent. Tu vois, <laughs> ils pensent que c'est flow. Ouais. Mais... Ils aiment trop ça. Ouais, ils aiment ça. C'est mignon. Ok, putain, société au Japon et tout, c'est propre. Moi, je tiens quand même à dire un truc. Il y en a, ils font... Euh, ouais, soft power, certains me disaient. Ouais, c'est un peu ça. <laughs> euh, moi, un truc qui m'a impressionné, on dit, je te le disais en off, et, et, et certains le disaient également dans le chat, t'as fait aussi un pop-up store là récemment à Séoul, et j'avais VLA le monde. C'est quand même incroyable de pouvoir dire à des gens, venez me voir à l'autre bout du monde, et que ça réponde présent. Moi, par exemple, je me bats avec Yass encore à Tokyo, euh, il a pas de buzz, hein. il n'y a, a pas grand monde qui lui demande des photos. Tu vois. <laughs> Franchement... Euh... Ouais, je ne savais pas à quoi m'attendre. En vrai de vrai, on l'a fait. Euh, y a, comme il y a ce truc vraiment avec Séoul depuis le début, oui. où euh, c'est comme ça que j'ai commencé avec l'Asie. Euh, il est en train de rager derrière. <rire> <rire> non, euh, ça a commencé comme ça avec l'Asie, c'était ce rendez-vous de tous les ans. Je me suis dit, je suis obligée de faire quelque chose à Séoul, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je croise plein de Français. Ouais. Euh, à chaque fois que j'y vais, j'ai ce truc où, c'est moins évident de trouver du matcha euh, qu'en France par exemple ou qu'au Japon. Et je me suis dit, cette année, on est obligé de créer un truc. C'est okay. obligatoire. Okay. Mais par contre, est-ce que ça va fonctionner Est-ce qu'il va y avoir du monde J'en sais rien. Ça, c'est la pression, ça. Ah ouais ah ouais, franchement, trop peur. Je vais pas mentir, mais en tant que créateur de contenu, quand tu fais un truc qui doit rassembler des gens, t'as toujours peur qu'il y ait deux personnes et ah ouais. que ce soit un four pas possible. De ouf Je vous jure, ceux qui ont déjà fait l'effort de se déplacer pour un truc comme ça, de manière Merci. globale, même pour des écrivains, des signatures, des dédicaces, ce que vous voulez, créateur de contenu ou pas d'ailleurs, incroyable, vous êtes des personnes en or bon, vous On pas hein. compte de l'impact que ça a sur nous, vraiment. Donc non, trop... en vrai j'étais trop stressée. En fait, j'ai eu deux phases. J'ai eu la phase de j'ai trop envie de le faire, mais à quoi ça sert On est à Séoul, personne ne va venir. J'ai eu cette première phase. Ouais. Deuxième phase, je ne voulais pas spoil le projet. On avait déjà tout engagé, hein, mais tout était payé et tout. Et je me suis dit, je vais quand même mettre une story pour voir un peu combien il y a de personnes. Parce que tu sais, en plus, c'est des, des choses que tu vends. Parce que du coup, on vendait des canettes, mais c'est surtout un peu un café Milia Matcha. Donc, il fallait prévoir je sais pas du lait, il fallait prévoir les quantités de matcha, il fallait prévoir le nombre de baristas, les horaires, les trucs. Donc, on avait besoin un peu de savoir et surtout les coréens ils avaient besoin d'être rassurés aussi parce qu'on travaillait qu'avec des coréens encore une fois voilà euh, donc il fallait un petit peu savoir donc j'ai mis un sondage j'ai mis est-ce que vous êtes dispo j'avais mis euh, samedi ou dimanche à séoul machin et il y a genre des milliers de personnes qui ont répondu et là c'était la deuxième phase <laughs> la phase 2. parce que moi j'ai bah, mon assistant j'ai mon copain à chaque fois ils me disent tu sous-estimes trop Trop tout, mais je préfère. Mais en fait. vaut mieux ça! J'ai peur d'être déçu, tu vois. Vaut mieux ça. Et, euh, et là, on était tous dans cette phase en mode dans quoi on se met, tu vois. Et du coup, on a décidé de le faire sur deux jours pour un petit peu plus étaler le monde parce que ça devait être une journée. Et meilleure décision, c'était parfait. Trop content, vraiment, il y avait pile le nombre qu'il fallait. T'as pu parler avec des gens, t'as pu avoir des. Parce que tu sais, c'est un café, tu bois du matcha, t'es pas là à faire la queue pendant 5 heures pour avoir ton matcha, que tu bois 3 minutes et tu t'en vas. Je voulais que les gens puissent se poser, que tout le monde puisse discuter, etc. Et c'est exactement comme ça qu'on a réussi à le faire, donc euh, j'étais trop contente c'était trop cool. Les gens étaient super contents, euh, on a pu grave discuter. Euh... Tu sais, on partage, enfin, s'ils sont assez hauts, c'est qu'on partage aussi cette passion, tu vois, pour l'Asie. Donc, euh, trop bien. Il y a un truc qui m'a marqué avec toi, Andy, c'est que quand j'ai fait mes annonces, j'ai remarqué. T'as pas Twitter. Je crois que t'es pas souvent sur Twitch. Donc, déjà, merci de me faire l'honneur de passer sur ma chaîne. Pourquoi Je pense que, déjà, je suis pas consommatrice. Tu vois Donc, je pense que j'irai pas sur un réseau que je consomme pas. Ok. Parce que, déjà, je le connais pas. Et parce que, bah, ce serait aller pour aller, tu vois, au final. Euh... Et puis, je pense que Twitter, c'est un peu sauvage. Non. Oh, non, pas du tout. À peine. À peine. Donc franchement, je, je regarde jamais Twitter. Bah j'ai pas Twitter, mais parfois mon copain me dit me montre des Twitch, en hein, mode mais me montre pas. Je j'ai pas, je veux pas savoir. Euh, et Twitch, franchement, juste je ne connais rien à Twitch. Mais à ah un ouais point, tu n'as pas idée. Genre t'es aboumeuse. Ah mais, mais de fou malade, tu te rends pas compte. Même mon mec, genre il me parle de ça que je comprends rien. Tu connais des streamers un peu ou pas du tout? Franchement, euh... ah si, Kameto. Oui! Mon mec regarde beaucoup Kameto. Ok! Il adore. La k Ouais, je pense. <laughs> Est-ce qu'il y a validation? Je pense. Franchement, je pense. Non, franchement, j'y connais rien. C'est fou, hein. J'y connais rien. Et en vrai, ça va, je me porte bien. <laughs> Est-ce que tu connais d'autres créateurs de contenu, d'autres streamers, genre? Genre, je te dis Domingo. Oui, je connais. Logique. Je connais. Et je pense que je les connais, juste, tu vois, je vois pas vraiment le contenu qu'ils font au final. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Zerator, déjà entendu, de mon mec. <laughs> Mais au final, il n'y a pas. Tout vient de lui. Mais sais, Est-ce qu'au final, c'est pas ça le bonheur Ah, je sais pas, hein, peut-être. Hein. Se dégager, ne pas tout savoir. Ouais. L'esprit tranquille. Twitter, ouais. je suis pas dessus. Euh, Twitch, c'est pas trop ouais. mon truc, donc je. Connais... Je pense c'est ça le vrai bonheur en vrai. Franchement, moi, euh... ouais, je te dis, je me portais bien. Hein. Twitter, bon, j'ai pas besoin de Twitter, ça c'est sûr. Twitch. Je pense qu'il faudrait que je commence à regarder déjà pour voir. Mais je pense que j'ai déjà entendu dire que Twitch c'était dur pour les meufs. Qu'elles s'en prenaient un peu plein la gueule. Ça a été longtemps assez dur. Ouais. Ça va mieux Il me semble. Okay. J'ai pas envie, je suis pas une meuf, donc je okay. peux pas te le dire. Mais il me semble que ça a l'air quand même d'aller mieux en 2024. Et oui, pendant un moment c'était dur. En tout cas, elle témoignait de ça, ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est ça qui m'a fermé un peu aussi, je pense. Je peux capter. Qui m'a pas tiré de ouf. Puis après, aussi, c'est du direct. Donc, tu vois, ça se consomme aussi différemment. Ouais, tu vois, tu sais, t'es pas posé comme ça. Mmh. Tu vois, gentil. Ouais. Mais après, il y a des gens, tu vois, ils viennent pour les lives. Ils répondent présent. Ils sont là dans le chat. Ouais, c'est cool. Et t'as aussi Pape. T'avais fait une vidéo avec Pop. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, pas sur Twitch. C'était sur YouTube. Mmh. Le bon vieux Pape, bordel. Ouais. Qu'on qu salue, bien évidemment. <laughs> Twi Twitter, la jungle. Tu sais qu'un jour, je vais désactiver. Mais franchement, bah, tu te prends des sauces parfois sur Twitter ou ça va Alhamdoulilah, pour l'instant, okay. j'ai pas. Euh... Ça va. Faut rester loin. Ça continue le plus négatif. longtemps possible. Je prends des balles indirectes. Oui, mais tout le monde. Aujourd'hui, il y a une meuf qui a dit que le bonnet que je porte, c'est pour les chauves en fin de vingtaine. Non, mais ça va. Et Benzo dans les citations, c'est Je pense à Zach Nani. <laughs> ah non. Mais non. Faut pas le prendre pour soi. Qu'est-ce hein. <laughs> que tu veux que je dise Non, franchement, je pense qu'il faut. On vit mieux sans le négatif. Je pense qu'il y a des choses que. Bah, sur les réseaux, tu sais, t'as toujours un peu de tout. T'as. Tu peux t'en prendre la gueule comme ça peut ne pas être le cas et parfois c'est justifié, je pense. Parfois c'est injustifié aussi. Mmh. Mais euh, vaut mieux s'éloigner du négatif un maximum. Si pour toi Twitter c'est pas négatif et que juste tu kiffes aller sur Twitter, let's go. Pour moi, j'associe ça plus à un truc négatif. Et encore franchement, je enfin, je me prends pas des gros qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui qu est, qu est dit Parlez, je dis après. <laughs> je me prends pas des grosses sauces. Donc je sais pas ce que c'est. Tu vois et je pense que parfois c'est dur. Pour oui. Pour ceux qui s'en prennent, ça peut être vraiment dur. Il y a Yas qui a dit dans le chat Zach, il prend pas des sauces, il en vend à la casse d'Alerie, en fait, C'est son snack. <laughs> Bien dit. J'ai jamais eu un ami comme ce mec. Hein, euh, très fort. <laughs> il est bon. Hein. C'est bon. Mais tu vois, pour en revenir sur ça, si je dois être honnête, euh, moi, tu vois, Twitter, j'essaie de déconnecter au fur et à mesure, parce que moi, j'ai ce réseau depuis 2012, tu vois. Ouais. Et, et de, du coup, notamment pendant une longue période, je l'ai supprimé de mon téléphone. C'est derniers temps, je l'ai repris parce que j'en avais besoin, tu vois. Donc, du coup, ça a fait EP direct mon temps d'écran, ouais. tu vois, genre un délire. Et je pense que je passe plus de 50 de mauvais temps dessus. Ah ouais. Ouais. Ah c'est pas euh, bon. Franchement. Ça. Ouais. Mais pas parce que je me prends des sauces ou quoi. Genre les gens sont plutôt agréables et oui, moi oui. je me fais, franchement, je vais pas mentir, je me fais pas insulter au ouais. quotidien et tout, tu vois. Ça peut arriver, mais bon. Oui, c'est exceptionnel. Déjà ils ont perdu la possibilité de me traiter de gros porc. <laughs> <laughs> mais pour en revenir plus sérieusement, l'actualité en fait elle se vit tellement mmh. sur ce réseau, tellement. et tu vis tellement tout au quotidien que du coup tu es au courant de tout, mais du coup ça t'impacte ouais. et ça t'impacte même moralement, mmh. tu vois. Très et de, du coup, c'est cool et important de savoir ce qui se passe dans le monde, ne serait-ce que ces derniers temps avec euh, euh, la Palestine, plein de choses, euh, l'attaque à Rafaïmont, tous ces trucs horribles. C'est important d'être alerte sur ces sujets. Mais par contre, du coup, en fait, le fait d'être baigné dedans, je vais pas mentir, ça touche Bien le moral, sûr. tu vois. C'est sûr. Mais au final, c'est rien par rapport aux gens qui vivent des dingueries, donc tu t'en plains pas. Mmh. Mais ça t'affecte. Mais ça affecte. Ouais, ouais. Et je lisais un, un article, j'en avais déjà parlé, je crois, une fois dans Accord au Livre. C'est un article d'un média qui faisait témoigner de gens qui disaient que c'était des gens, tu vois, par exemple, qui avaient des convictions politiques fortes. Mmh. Donc, par exemple, envers, je sais pas, l'écologie, le social, bref, tout ce que tu veux. Et qui disait, quand j'étais trop dans l'activisme, dans le suivi de l'actualité, des news et tout ça, je me suis rendu compte que ça me stressait et ça me changeait ma personnalité de manière ouais. négative. Mmh. Et que depuis que j'ai arrêté de me tenir au courant de tout ce qui se passe au quotidien, alors Serge, c'est le moins de choses, mais du coup, ça va mieux. Du coup, la question de fond, est-ce que c'est bien d'être toujours connecté Bon, voilà, là, on, on a une base sûr. de débat, les ouais. gars, dans le chat, sur YouTube et tout. Mais... Je pense qu'il faut trouver son équilibre, tu vois. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, c'est très important, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça, tu vois. Et je pense que le truc avec Twitter, c'est que. Enfin, moi, je le, je le vois vraiment sur mon mec, parce que mon mec est vraiment beaucoup sur Twitter. Ouais. Et c'est vrai qu'il me, il me tient au courant de tout. Mais, genre, par exemple, dès qu'il se passe quelque chose, je suis au courant. Il me dit, mais t'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça Et parfois, je lui dis. Décroche, tu vois, parce que es, c'est trop présent dans ton quotidien. Je pense qu'il faut faire la part des choses, tu vois, qu'il faut essayer d'équilibrer. Donc, euh, Twitter, je sais pas si c'est la bonne chose. Parce qu'au final, tu peux être au courant de tout ce qui se passe sur d'autres réseaux aussi. C'est vrai. Peut-être moins, moins rapide et moins tout le temps. Moins rapidement par contre. Ouais. Ouais. Oui, par contre, moins rapidement. C'est vrai que dès qu'il y a une dinguerie, ça va dire direct. Pour l'instant sur Twitter. Ouais. C'était une question intéressante. De, sur YouTube, je sais que vous allez pouvoir en parler, donc ouais. c'est cool, ça va vous donner un peu du... <laughs> du... <laughs> c'est quoi les prochaines étapes pour toi euh, au global Donc on a fait euh, quand même un petit état des lieux, tu as ton entreprise, tu as ta chaîne. Est-ce que le rythme actuel te convient et c'est un truc que tu as envie de perpétuer ou est-ce que tu as d'autres velléités que ce soit dans ton contenu ou dans ta marque ou dans un truc supplémentaire peut-être C'est comment pour toi euh, Honnêtement, le rythme me convient sans me convenir. Je suis super contente et super fière de tout ce qu'on fait. Mais c'est beaucoup. Ok. Honnêtement, c'est beaucoup. Ok. Vraiment, euh, tu vois, je dors très peu. Je le vois, je suis tout le temps malade. Euh, c'est intense. C'est toujours des deadlines de fou. Euh... C'est beaucoup de pression, on va dire. Ok. Donc... Le but, ça va être d'embaucher là de plus en plus pour la suite. Très on a bien. déjà, on va être sept bientôt. Super. Pour match Là, Corp va. Grandir. Ça grandit. Ouais, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Euh, donc, s'entourer un petit peu plus et continuer à fond. Là, je te dis le, le la société au Japon, c'est quand même un, un gros truc de développement. Donc, euh, on va voir où ça va nous mener. Tu ouais. vois. Donc, euh, développer tout ça et continuer à fond les vidéos. Je veux jamais m'arrêter, jamais ralentir. Ah, la création de contenu, c'est toujours une grosse ah, passion pour ouais, toi ouais. Ah Mais bien sûr. Mais Depuis bien les sûr, 12 quoi. ans, ça n'a pas bougé Mais ça va pas bougé. Je ne sais pas comment c'est possible, d'ailleurs. Mais YouTube, c'est vraiment YouTube, tu vois. Ça passe au-dessus de tous les autres réseaux, ça passe au-dessus de tout. Je ne veux pas arrêter. C'est ça pas... discours qui me plaît, ça. Ah ouais Moi, je kiffe YouTube aussi. Ouais. Mais il y a, y a ce truc... Avec... En fait, les gens de YouTube comprennent, tu vois. Il y a ce truc avec YouTube, il n'y a rien qui pourrait passer au-dessus. C'est incroyable. En fait, c'est tellement naturel. Enfin, moi, j'adore. Je trouve que, tu vois, sur Insta, sur TikTok, je poste pas mal. Et j'ai pas du tout cette connexion que j'ai avec les gens. J'ai moins l'impression d'être moi-même. T'as ce truc hyper naturel où bah, tu montres ta vraie personnalité au final. Tu vois, c'est pas une vitrine. C'est toi, ta vie. En tout cas, dans mon contenu. Donc, euh, non, ça, je veux pas que, tu vois, la marque prenne le dessus non plus sur, euh, sur tout ça. Ok. C'est vraiment pas l'objectif. C'était un peu ouais, la question, du coup, tu vois. Ouais, non, non, ça, ça prendra jamais le dessus. Euh, le but, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et de continuer, tu vois, et juste d'avoir de... une vie un peu plus normale, entre guillemets, tu vois. D'accord. Genre de dormir. C'est l'objectif. Voilà ma réponse. Ça ferait du bien. Ouais. <laughs> et ça, c'est pas un truc qui va régler ton sommeil, mais est-ce qu'à terme, t'as aussi l'envie de proposer ton produit au Japon Bien sûr. Vu que tu ouvres une société japonaise. Bien sûr. Est-ce bon, I... que le marché japonais, au final, ce serait pas la meilleure. Euh, tu as des preuves de, peut de réussite Peut-être. Peut Franchement, on a plein de choses de prévues. Euh. On va de plus en plus se développer en France, mais aussi à l'international. Donc il y, y a plein de choses de prévues. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes. tu vois. Donc euh, oui, il y a des petites choses. <laughs> tu, tu me disais que tu avais des petits soucis de l'attention. Est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu Ou c'est quelque chose que tu penses qui s'est augmenté avec tout ce qu'on lit sur les contenus courts, les trucs comme ça euh, Non, j'ai toujours eu. Vraiment, les contenus, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. J'essaie de faire attention d'ailleurs, à ma consommation des contenus courts. Okay. C'est pour ça que je suis très YouTube. Et en vrai, tant mieux. Tu vois, parce que je suis moins TikTok et les réels, et ce truc-là. Donc, ça, c'est cool. Euh, mais non, je l'ai toujours eu. Et c'est une cata. C'est dur. C'est grave dur de travailler avec ça. Ok. Tu peux pas rester focus sur une tâche. Tu pars dans tous les sens. T'es à virgule fois 1,25 Non, par contre, non. Moi, j'y arrive pas. Hein. J'y arrive pas, ça, je comprends pas. T'es comme ça Un peu. <laughs> pas toujours. Mais tu vois, c'est... ça que... peut m'arriver. Je pense que t'as ce truc des contenus courts, non Où tu consommes beaucoup. Pas tant que ça. Ah ouais Tu sais que je te donne mon téléphone, tu vas regarder TikTok, j'ai 3 minutes 30, j'ai un TikTok genre à 400 000 abonnés ah, que bien. je n'ouvre jamais, c'est un gars qui me le gère à 100 Trop bien. Romain, dédicace à lui, mais je ne mets jamais le pied dessus. Par contre, je consomme un peu en fois 125 x1,5 de temps en temps. Ah ouais Mais je pense que quand tu commences, après tu prends l'habitude. Ouais. Mais moi j'ai jamais jamais commencé, tu vois. Mais je sais que ça choque des gens. De temps en temps, quand je réagis en live à une vidéo YouTube, il y en a qui disent ça accéléré Moi je comprends rien, hein. Parfois mon mec il écoute des vidéos en accéléré, je ne même des vocaux. Des vocaux en accéléré, je ne comprends rien. Ah ouais Mais je te jure. Je n'écoute jamais de vocaux en fois 1 Ah non mais. C'est x 15 minimum. Mais je pense que c'est carrément deux... deux manières de voir la vie. <laughs> c'est ce le, choc. le choc. C'est la glace ouais. et le ouais. feu. Mais tu vois, je pense que mon manque d'attention participe à ça. Parce que tu vois, ça va trop vite pour moi, c'est mon cerveau, il explose. Tu vois C'est vrai. C'est différent. Non, moi, moi, surtout parce que, euh, avec le travail que je fais, tu vois, typiquement, bah, du coup, ouais, sur mes vidéos avec les monteurs, et, euh, et je ne suis pas la création de contenu pour moi, je suis aussi la création de contenu, euh, j'aide euh, euh, avec d'autres entités et tout. Donc, du coup, je dois faire beaucoup de retours. Mmh. Donc, du coup, quand je dois faire des retours, et des fois, regarder la même vidéo une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu regardes dans je regarde en fois 1,5, mmh. tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a ouvert la porte. Okay, je parce qu'en soi, les contenus où quand je me pose, le fois 1 ne me dérange pas tant que ça. Okay. Mais ça peut m'arriver de temps en temps de le faire. Euh, <laughs> ça te en 25, un peu. ça ouais. mange. Tu vois. En fait, c'est en fait, trop con cool à dire, mais le fait de se dire que sur 10 minutes, tu gagnes 2 minutes 30, donc 25%, oui, hashtag Anaïs, les maths, c'est fort. Non, mais... Dans, dans mon cerveau, je trouve ça opti Moi, je trouve ça archi-toxique de penser <laughs> à ça. Je sais pas, regarde ta vidéo, qu'est-ce que tu calcules, le temps que tu gagnes Mais il faut être fou, non Je suis folle. <laughs> non, 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 c'est <laughs> moi le fou. <laughs> C'est vous, genre tu regardes une vidéo, tu te dis combien de temps j'ai pour gagner. Là, tu te rends compte, là. Tu, tu parles avec le fou du Japon pour pas qu'il te tue. C'est grave. Non, je pense t'as raison. Faudrait que je fasse euh, que j'aille un peu. Calme, un détends. Une vie plus calme, plus ouais. paisible, ouais. plus Le Japon, la regarde en fois un. Au moins au Japon. En fait, je pense que pour une vie paisible, faudrait que je quitte la France. Alors ok, tu vas aller où? Attends, pourquoi Et tu veux aller où oka? Non, t'es sérieux Vraiment à ce point T'as kiffé à ce point C'est légendaire. Ah ouais Après, je parle pas à vie ou quoi. Tu vois, je suis pas là en mode Oui, je vas pas partir, ni de la France. C'est pas ça. Un petit, quelques semaines pour essayer, tu vois. Ok. Ce serait beau, tu vois. Ok. Et pourquoi t'as besoin de sortir, de partir de la France Pourquoi tu penses que tu serais mieux c'est mon émission. C'est. Oui, pardon. Non, j'ai le droit de faire ça. Non, mais bien sûr. Les <laughs> accords c'est un échange de okay. discute. Bah, pour changer de cadre, pour mmh. euh, voir les choses différemment, tu vois. C'est un peu la raison pour laquelle toi, par exemple, t'as fait quelques semaines en Corée ou, ou, ou aux États-Unis, tu vois. Ouais. Ou même au Maroc. Je, je suis d'origine mmh. marocaine, moi, je kiffe le Maroc, tu vois. Ouais. Un quelques... En fait, changer le quotidien. Ok. Tu vois, je pense que ce serait bien. Okay. Genre, tu sors et c'est pas les endroits que tu connais. Mmh. Changer tes habitudes. Ouais. Mmh. Toujours avec du travail, bien évidemment, tu vois, mais ouais. différemment. En 2020, j'étais parti vivre 4 semaines en Estonie avec ma femme et c'était bien. tu vois. C'est vrai Ouais, c'était bien. Tu as dit que ça t'a fait du bien Ouais, Tallinn, c'était légendaire, tu vois. Et alors, Fukuoka Ok. Ouais, c'est fort ce ouf. truc. Hein. C'est ouf. Faut que tu y ailles. Mais tu vas faire Okinawa, je sais. Ouais. Mais Fukuoka, meuf. Euh... Ok. Dés... Désolé de la propagande, mais j'étais choqué de cette ville. Mais c'est dingue. Mais vas-y, mais ça me donne trop envie d'y aller. Je vais y aller. C'est trop bien. J'aime quand on me. Tu vois, là, t'as l'air passionné, là, ça me donne envie d'y aller. En fait, je suis un mec, j'arrive pas à cacher un peu les émotions, tu vois. Genre, je... je suis très vite sincère sur ça et je le montre. Et... Ouais, ouais, ouais. Franchement, Fukuoka et le fait de, de vivre des choses un peu différemment, ça me parle. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on fait l'arc Japon, tu ouais, vois. Ouais. Et d'ailleurs, merci d'avoir accepté de venir. Merci pour l'invitation. Ça mais... régale. Ah non, je suis trop contente. que c'est incroyable quand on s'était dit qu'on pouvait faire ça. Euh, ça, m'a direct tapé et je vois les gens dans le chat et tout, ils sont tous contents donc. Trop bien. Mais tu sais qu'en vrai j'étais surprise parce que je trouve que je suis pas le type d'invité que qui est invité normalement. C'est vrai. Et je me suis dit, j'étais en mode, ok, mais pourquoi <laughs> Tu vois, je me disais mais en vrai c'est ça, ça m'a étonné. Mais t'as un profil grave intéressant. Ouais, ben bah, je sais pas, je me rends pas compte. Je m'étais dit, ouais, c'est quand même bien différent de ce que tu fais d'habitude, tu vois. Moi, je trouve que t'as un profil grave intéressant et qui change totalement, tu vois, avec, euh, comme on disait, la marque, le contenu que tu fais, la vision que t'as, c'est que c'est des choses que j'entends pas souvent, tu vois. Donc en vrai, euh, c'est cool. Moi, c'est un honneur, tu vois. Oh, ça fait plaisir. Très Merci. content. Merci. Ouais, c'est un honneur pour moi aussi, franchement, c'est un plaisir. J'en ai regardé des accords au Liban. Tu sais, avant que tu me proposes, ah ouais, bah bien sûr. De te regarder lesquelles, par exemple. J'ai regardé. Bah après, j'ai regardé tous ceux que t'as fait avec Inox, etc. J'ai regardé pas mal de pas mal de séries. Franchement, euh, j'ai kiffé avec mon mec. On aime bien. Pense à Inox, bien évidemment. Ouais. Pense à Inox. J'avoue, j'ai pas trop suivi. T'as pas, pas applaudi Mais j'ai rien suivi. Arrête, tu vas m'afficher parce que j'ai rien suivi. Ah <laughs> oh, c'est une bêtise. Ah non, mais j'ai vu je crois bêtise. sur TikTok. Je t'ai dit une les bêtise. Les trucs d'applaudir. <laughs> m'affiche pas <laughs> non t'inquiète t'inquiète y'a pas de souci j'avoue j'ai pas suivi donc euh, là là la fin de ton art japon à toi se passe comment là là euh, Tokyo pour l'instant pendant 2-3 semaines il reste 2 semaines 3 semaines okay. euh, j'avoue je vais pas mal faire d'aller-retour dans les champs de matcha parce que c'est la récolte la semaine prochaine Ouais. Oh incroyable ça. incroyable ça se fait en forme en général Ça se fait. Alors ça dépend des, des, euh, des variétés de matcha. Donc en gros, plus ça va être tard, plus euh, le matcha demande du travail. Okay. Donc là c'est assez tard. Donc c'est plutôt positif, tu vois. Euh, D'ailleurs j'y vais demain matin. Graf demain cool. matin. C'est loin de Tokyo, c'est aux environs C'est euh, entre Kyoto et Osaka. D'accord. Voilà à peu près. Euh, donc euh, j'y vais demain, j'y retourne la semaine prochaine pour la récolte. Donc ça c'est cool. Ensuite euh, petite semaine à Tokyo qui reste. Je pense que je vais essayer de j'ai tourné pas mal de vidéos donc j'aurai un peu moins de tournage. Euh, je vais être un peu plus euh, pas en mode vacances mais un peu plus détente. Calme. Voilà. Et ensuite euh, petite semaine à Okinawa normalement. J'ai rien réservé. C'est pour ça que j'ai normalement mais je vais y aller. sûr, sure. Je veux. Okinawa. Okinawa. Et, et mais tu sais que voir la récolte de matcha, ça va être incroyable. C'est incroyable. Et tu sais que l'année dernière, euh, j'y étais, c'était en cours, etc. Et j'y étais, mais en fait, je réalisais tellement pas. Et là, le fait que la marque soit sortie, parce que c'est une fois par an, la récolte. Donc du coup, tu peux vivre ça qu'une seule fois dans l'année. C'est ouf. Et là, le fait d'être là maintenant que la marque est sortie, c'est plus pareil. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de voir. Est-ce que ça va permettre de pouvoir peut-être lancer de nouveaux produits Bien évidemment. Plein <laughs> de trucs de prévu. omg Hein OMG. Euh, leak putain, on a pas le même, euh, les mêmes codes. C'est Twitch, c'est Twitch. En, mode, Twitch. Oh, en fait, c'est quand oh, quelqu'un donne une information qui n'a pas encore été donnée oh. en général. Non, mais j'ai retranscrit. Mon mec, il va tellement se foutre de ma gueule après ça. Je, Je suis ouais. un... Et oui, plein de, plein de nouveaux produits. Quand on dit Pogger, ça ne dit rien. Ah non Ah oui, c'est... <laughs> <laughs> tu peux enchaîner les flops. Mais hein. arrêtez de rire, arrêtez de rire, <rire> Non Il rigole parce qu'il se fout de ma gueule <laughs> Tu vois, je t'ai dit que j'étais pas le genre d'invité d'habitude. Tu me disais non, non, non. Bah voilà, je comprends rien ce que tu me dis. Non, veux. mais t'es nickel. C'est, c'est du dialecte de Twitch. Euh, on bon, rigole un peu et tout. <rire> <rire> ça régale, ça régale. Eh bah, ben écoute, Andy, sur ces quelques mots, merci beaucoup. D'avoir accepté de venir. Merci à toi. Très content d'avoir cette aussi. émission. Trop contente. D'avoir pu parler un petit peu de tes projets, de tout ce que tu as pu faire jusque-là. Et franchement, c'est un vrai plaisir d'avoir pu te recevoir. Et je trouve que ça conclut super bien cet Arc Japon. Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir euh, Mitsugi, créateur de contenu qui vit ici. Ouais. Euh, Gomis, joueur de foot qui joue. Ici, Incroyable. Baki qui était de passage fan du Japon et toi qui va être investisseuse euh, au Japon, <laughs> plus euh, justement qui habite ici. J'ai trouvé l'arc super cohérent et franchement, euh, grand merci à toi. Merci beaucoup. Grand merci également à tous ceux qui ont écouté cette émission. C'était un vrai plaisir de pouvoir vous la proposer. Il est une h et demie du matin ici, donc toujours un grand plaisir euh, de vous voir déjà d'une nombreux, de voir qui fait les vlogs, les retours. C'était pas facile parce que l'Arc Japon 1 avait posé la barre assez haute. Je considère que l'Arc Japon 2 a au moins fait aussi bien, si ce n'est mieux. Donc j'espère que ça a également été votre feeling pour tous ceux qui l'ont suivi. Je vous remercie de votre fidélité et de votre soutien qui est toujours incroyable et qui permet de pouvoir lancer ce genre de projet. Je remercie également tous ceux qui ont fait en sorte que ça puisse se passer, que ce soit les partenaires, les marques et consorts, ou alors, bien évidemment, Tev. Et l'équipe IC Japon qui nous ont mis à disposition cette maison pour pouvoir faire les émissions euh, gracieusement, ainsi que mon équipe et tous ceux qui travaillent derrière la caméra et que vous voyez dans les vlogs. Zakorou Libre, Japon, c'est terminé pour cette année. On se retrouvera peut-être l'année prochaine au Japon ou ailleurs, on en rediscutera. Il restera encore un ou deux vlogs à sortir, pas ce soir, mais sans doute demain. Vous inquiétez pas, il y a peut-être un truc qui sort et dans les jours à venir. Et il y aura également des live IRL si le temps nous laisse tranquille. Mais ça devrait peut-être aller mieux dans les jours qui arrivent. On a regardé un peu la météo. Mais voilà. Pour le reste, je vous euh, enjoy la LDC. Parce que je sais que c'est dans deux heures. Et puis, euh, on se voit, euh, on se revoit soon euh, en France pour euh, la prochaine des accords au livre. Ouais, ce sera en France. Ce sera en France le 21, si je ne dis pas de bêtises. Avec une belle invitée, si je ne dis pas de bêtises, Hugo. Une belle invitée. C'est à nouveau une invitée. Mais vous allez voir, c'est une personnalité qui claque. Passez. Une bonne fin de soirée et on vous souhaite euh, et je vous dis à la prochaine les amis <laughs> Ciao ciao Bye